Donc je pense que je vais jouer 3 bonnes heures. Là, je suis parti à mon avis jusqu'à minuit à faire mon foufou. Ah, encore Mimi. Oui, aussi. Encore merci, voilà, pour le Party Animals de Twinsen. Excellente découverte. Alors, on devine le copier-coller de chipage d'idées des jeux les plus populaires qui étaient Mario Kart et Gang Beasts. Ça m'est revenu après à l'esprit, le coup là du métro où on se patatait. C'était un jeu spécialisé là-dedans qui s'appelait Gang Beasts et qui existe toujours normalement. Et visiblement, Party Animals s'amuse à shipper le meilleur des jeux et le compile avec des animaux tout mimi. C'est honteusement efficace, comme Plagia a fait avec Talent. C'est sympa, vraiment, c'est très sympa. Allez, je vais retourner à Party Animals. Ah, Party Animals, voilà, ma langue a fourché. Dans State of the Decay, qui est là, premier du nom. Il faut que je mette le bon plan, sinon ça va être ridicule. Hop là, voilà, au moins je vais pouvoir vous lire dans le chat. Alors, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas l'impression que Blastos a mis son antenne. Je pense que Bastos va pas tarder à prendre son antenne et je crois savoir qu'il fait du Blueborn. Pour ceux qui seraient intéressés de voir du Blueborn, intéressez-vous à Bambastos. Il devrait pas tarder à prendre son antenne. Nash, je sais même pas sur quoi il est, mais il est sur son canal Kick, hein, je vous avais fait la promotion il y a une demi-heure. Mais je connais pas son programme, je sais plus, honteusement. Et moi, comme vous le savez, bah, je vais continuer ma survie zombie. Alors je vais essayer de comprendre l'histoire de l'émetteur bizarre, l'espèce de frigo qui hurle. Vigilance et de mise, attitude neutre. Oh la vache, survie, influence quotidienne limitée par la réputation. Garde-manger, maximum de réserve dépassée. Bon, ça va, il y a pas mal de statuts dont il faut faire le point. Ouais, je récupère les restes de la malheureuse. Non mais c'est incroyable, je relance une partie, les barricades ont sauté. À quoi que ça sert à quoi que je barricade, franchement? Oh la vache, elle a carrément un fusil à pompe, elle. Ça déconne zéro. Tribunal, je sais pas si je vais aller voir parce que c'est une ville au loin que je ne connais pas. Eh bien, ça, son sabre, j'allais dire sa serpe. Oula, elle est en lévitation là, la dame zombie là. Hey, hang on. I've got a transmission coming in, I think. It's pretty garbled. Let me see what I can do. Don't trust the army. They don't care what happens to us. They're turning us out in the goddamn street. For all I know, this is all their fault.
that was about. No, no. But I think I want to find out. Elle est super efficace au sabre, la Miss. Pas qu'elle le lâche son sabre, elle est vraiment redoutablement efficace. How's it going? I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Ouais, mais il faudrait que j'arrive à rejoindre le parking et là, dans cette posture, je vais pas y arriver. Parce que le terrain s'y prête pas, en fait. Ah merde, Oum. Ah, je crois qu'il y avait des trucs dans le véhicule. Tiens, bizarre. Non, bah j'ai gardé le souvenir joyeux de mon précédent véhicule qui était plein à craquer de matos. Quel bâtiment pourrait faire office? Talwar, une épée emblématique du sous-continent indien. Un talwar, ah je connaissais pas. Ok. Sympa. On ne peut pas transporter grand chose d'elle-même parce qu'elle est déjà lourdement chargée, donc il vaut mieux prendre un véhicule avec elle. Alors, quel endroit dans la ville pourrait faire... Ah oui, il faut que j'aille voir lui. Non, est-ce que la clinique vétérinaire, elle pourrait faire une bonne base, hein? Oh, bizarre ce jeu. Mais j'adore. Bon, on est en pleine journée, il fait un beau soleil, ça aide. Ha! Aïe! Je monte sur la bagnole. Enfin, faut que je me calme parce qu'il y a des zombies, ils vont me buter. De zombies droit devant. This is bullshit. We're just trying to survive out here. You can't kill us for that. Uncle Sam would seem to disagree with you there. Our orders are to evict squatters with lethal force if they resist. You resisted, so just let us go. I got kids, man. And yet you're out here violating quarantine.
unlawfully occupying people's homes? Great parent. Look, we're sorry, right? We're just trying to get by, same as everybody. You got 30 seconds to get out of my sight. 30, 29, 28, 27, 26. Jesus. This is about the biggest crock of horse shit ever. We're done here, Sergeant. Tell your men to prep for evac and RTB. Yes, ma'am. Why don't you make yourself useful and go babysit those two? Mm-hmm. Anybody home? What you want? Why don't you come with me? We've got room. Really? My God, thank you. Thought for sure we were gonna die out here. Bon, bah suivez-moi. Ah, on dirait qu'il y aurait une tolérance des militaires. Je tâcherai de m'en souvenir. What did those soldiers want, anyways? That beats the hell out of me. They just showed up, dragged us out onto the street, and sent in those guys in hazmat suits. Started taking a bunch of samples, talking about infection vector unit. A bunch of shit I didn't understand. I think that woman was in charge, Captain Montresor or something. Not like she even looked at us. That's it, right up there. Make yourselves at home. Thanks. You don't know what this means to us. Hmm. Bon. On a de nouveau dans la communauté. Bah alors, on est perdu. Alors, il y a l'autre loustique qui est dans la baraque, faut enquêter, savoir ce qu'il fait. Comment ça l'armée pourrait bien avoir besoin de moi? Vous déconnez les gars. Même niveau la passerelle. J'aime beaucoup le parterre de fleurs. Non, c'est pas le même niveau. Ouah, ouah, bonjour les jambes. Commencez à exploser les chevilles. It's really strong, like it's super close by. Here, listen. This is Cleo. Order at DZ. 1-1 Tango Mike Papa, 2-5 Charlie Zero, 5 Romeo. This is Cleo. Order at DZ. 1-1 Tango Mike. It just goes on like that. Can you keep an eye out for something like a transmitter or a beacon? I don't know what you're looking for. Des humains qui sont dans cette baraque ou pas? Ah oui, c'est des humains. D'accord. Coucou. Re-coucou, Junsen. J'ai même pas regardé de l'autre côté, je suis fou. Et il y a le Dissam. Attends, c'est comment ça, un zombie lui. Ah non, c'est l'autre baraque. Ah, il est dans le cabanon. Là où il y a le barbecue. Sam, what are you doing out here? Looking for Andy Pins. Who's Andy? Mais oui, mais je sais qu'elle veut. Fuck your persistent. Andy's the guy who used to come into Pastor Will's soup kitchen all the time. I haven't seen him since this bullshit went down. Ah oui, le fameux Andy. Tu veux qu'on y aille ensemble? What? I'll help you look. Hey, that floats your boat. I'm not running down free help. Old bastard's probably dead by now. But apparently I'm a sucker for winos with no teeth and bad gout. Because here I am looking for him. I got a few ideas where to look. Come on.
How'd you end up working in a soup kitchen? The fuck's that supposed to mean? I volunteered. What, you think I wouldn't help my fellow man unless it was court-ordered? I've been helping Pastor Will with charity shit for years. Sorry, I shouldn't have assumed. Goddamn right. Mmh. Oh, il peut être dans toutes les baraques alentour. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going this way. Anybody home? Il y a un zombie là. Belle baraque, j'aime bien le. Le style de la maison. Attends, je ferai la fouille après. J'aime beaucoup le style de la maison. Vache, c'est une grande baraque. Stylé. C'est stylé. Time to move on. Oui, bah je vais fouiller un peu, même si j'ai pas une grande capacité de stockage, on sait jamais. Toujours et encore de la bouffe. I'll run this home. Roger that. We'll be waiting. Ouais, toujours cette prix. Des snacks, des snacks et des snacks. Oh, le papier peint. Ouais. J'aurais pas fait le choix là, perso. Mais bon, bref. Tous les goûts sont dans la nature. Ça fait d'un kitsch rétro, le papier peint. On se croirait de retour dans les années 60-70. Ah, encore un tisson, c'est fou ça. Oui, tu m'étonnes, c'est une arme contondante. Ouais. Ah. Zombie. Oh merde, j'ai fait trop de bruit, il y en a plein. Heureusement qu'on n'a pas attiré le reste de la horde de zombies parce que je vous dis pas la mouise. Ah non, y'a rien à fouiller. La petite baraque là, il peut y avoir un truc. Hop là. Les chiottes dans le dans la caisse pour l'installation. Oui, ils étaient en train d'aménager la baraque. Ils étaient en train de la refaire. Ah ? D'après lui, j'ai mal fouillé l'endroit. Ça m'étonne. Comment ça à droite ? On a un visiteur. Ah bien. Bien joué. Non, ils nous ont tous repérés. Ah, au moins le bâtiment va filtrer le. Medicine off.
Oh la vache, on les voit par la fenêtre, vous les voyez? Oh oh oh! Oh ça craint. Ça craint du boudin. Oh la vache. Ouais. Il est possiblement dans les maisons en face, mais il faut que j'attende que la horde passe. Shit. Comment ça? Mais c'est qui cette Cecilia? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas Cecilia Sarkozy. J'en ai une autre. Ouais, ouais, ça va, c'est deux zombies isolés. Ouais, faut faire la baraque en face. Ouh, c'est un gros lui. Oh! Comment qu'elle lui a mis un coup dans les roubignoles? Je peux savoir ce qu'il fait, le... Il joue le mime marceau, là, le zombie, ou... Ah si, je peux le toucher de là. Quelle horreur. Et pas de bras, pas de chocolat. Ah. J'ai entendu des tirs. Oh la vache. Oh cet assaut. Quelle horreur. Attends, le mec est tombé dans la cave ou c'est moi? Ah, c'est les tirs depuis la base qu'on entend? Ah ouais, d'accord. C'est les tirs depuis la base qu'on entend. Punaise, ça fait un vacarme d'enfer. Ah ouais, non, mais là, je comprenais plus, là. Il y avait une scène bizarre projetée sur le mur de la salle de bain. Ah merde, mon arme est en jaune, elle est en train de s'user. C'est quoi, ce truc vert sur le mur? C'est super bizarre. C'est super trash. Ouah, le canapé, c'est beau, c'est stylé. Mais pourquoi ils considèrent que j'ai mal fouillé la baraque? J'ai bien fait toutes les pièces, non? Je comprends pas. La baraque là, la porte est ouverte. Hello? Non, y a personne.
Et si le mec il est planqué, il est super bien planqué. Hein. Ah, c'est Andy. Ah merde. Andy s'est fait zombifier. Bon, ben voilà. Pourquoi il m'indique cette baraque? Ah, les voisins ont besoin d'aide. Comment ça, des médocs périmés? Yeux dans les cieux, artillerie repérée. Quoi? Repérer des zombies pour les artilleurs de l'armée. Oh le bordel. Oui, il y avait des malheureux qui avaient besoin de nous. C'est vrai, j'avais zappé dans la maison blanche là-bas au bout. Alors qu'on glisse tout doucement vers le crépuscule et qu'il va falloir songer à un plan nocturne. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ah! Effectivement. Vous en avez d'autres? We could use your help over here. Come on, don't be a pussy. Ready to move. Let's move. Les zombies blindés. Keep an eye on our six. Ah oui. Merde! Je vais pas que tu sois si proche. Oui, c'est un début, oui. Merde, il y a une orbe qui se pointe. Oh là là, ça craint. Ah non, lui, il est pas blindé, lui. Le jeu de lumière est extra avec les ombres portées, ça fait classe. J'aime bien. Non mais attends, on va rentrer à la base. T'inquiète pas, les zombies blindés, ils vont venir. Oula, il est où là-haut? J'ai en profité pour vider mon sac, littéralement. Et changer d'arme contondante puisque mon sabre s'est brisé. Allez, on va de course. C'était quoi? Et alors t'arrêtes pas. Comment qu'il se ramasse comme un flanc quand il réussit pas à s'appeler? Oh! Mais attends, mais il y en a dans la... Mais ça va pas, oui, attends. Il y en a dans la base, là. Merci. Bah alors. Oh merde, puis c'est un zombie soldat. C'est un début. Oh! La posture du zombie! En mode karatéka. La raideur cadavérique dans toute son œuvre. Oh la vache. There you go. Don't say I never gave you anything. My hero. Euh.
fusil calibre 45. Ah bah c'est bien, je vais en prendre un peu plus. Histoire de pouvoir tirer au fusil joyeusement. Mais j'apprécierais d'avoir une arme contondante aussi. J'ai plus de sabre. Si, voilà, Quenda, épée quantique, origine d'Arn. Bien. Très bien, ça, je veux. Je veux m'en équiper, carrément. C'est trop efficace. Je ne peux pas fermer les yeux sur un matos de cette qualité. Je vous le dis, moi. Bah, ça va se transformer en sortie nocturne. Vu l'heure. Des zombies blindés, il y en a partout, des zombies blindés. Oh, le grand vilain. Non, non, tu l'as pas eu. Oh la vache. Bravo, là t'as réussi. C'est vrai que c'est une grosse cochonnerie ce zombie. Ah mais en fait il est bloqué par le tronc qui est couché. On prend une bagnole. Allez, ce sera plus confortable. Puis pour peu qu'il y ait des trucs. Attends, j'avais vidé le coffre. Non, je vérifiais deux fois. Bah, alors qu'il y a un autre zombie soldat. Oui non, j'avais vidé le coffre. Attends, il y a un autre zombie soldat là. Mais quelle hâte d'avoir toujours la même réplique, dire c'est un début. C'est notre troisième zombie soldat de patate. Beast being shoved into a locker at least. Okay. I think I'm ready to head home now. Catch you later. Ouais. Tu descends là, t'es sûr? Wouah, mais elle est douée en sprint, la miss. Ah oh, merde, il y a une horde de devant. Self-storage. Est-ce que je peux faire quelque chose? Alors, Twin Sentry, il y a deux jeux à prendre sur Epic, dont un jouable en multi. Merci pour l'info. Ouais, puis comme je suis sous Windows, là j'ai mon Epic qui est actif, donc je vais pouvoir le revendiquer en 3 clics. Merci pour l'info, une scène, ouais, je regarderai tout à l'heure. Ça fait beaucoup de monde là. Alors, il y a un intérêt à être là ou pas? Un jeu de bûcheron, sérieux? Oh, je peux monter. Allez plus haut, allez plus haut. Et gagner juste un petit point de vue. Non, je veux pas aller au tribunal, pas maintenant. Pour le jugement dernier. Alors, yeux dans les cieux, repérer des zombies pour les artiller de l'armée. Je pourrais presque. Moi, ce qui me bouffe, c'est la clinique vétérinaire, c'est dommage. Ouais, il y a la grange qui aurait été pas mal, ouais. Un vieux pick-up, ouais, je sais pas, c'est une autre installation, je sais pas, c'est bizarre. Puis il faut que j'aille là aussi. Oh là 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 là. Je pense que j'irai au niveau de l'étang à l'aube, une fois la nuit passée. Je pense m'être débarrassé des zombies. Je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Bon, à part elle, évidemment. Je peux déjà bouffer mes médocs, tellement qu'elle m'a fait mal. Voilà, je fasse le compte à la base combien on est. Oh, ce dessin. Lady quoi? Lady Shabakara, je sais pas quoi là.
Une bagarre avec de la nourriture à plusieurs. Pardon ? Un jeu de bagarre avec de la nourriture à plusieurs, t'es sérieux, c'est une scène ? Sauve l'environnement avec la hache en fondant et en recyclant tous les objets créés par l'homme qui sont sur ta route et en résolvant des puzzles avec tes charmants amis animaux. Waouh, il y en a qui vont trouver des idées de jeux vidéo. Je salue leur imagination. Alors, Rawman est un jeu de tir en arène multijoueur et je suis en danger. Attends, le temps qu'ils escaladent des grilles, c'est maintenant. Parce que s'ils se regroupent à 5, je suis mort. Ah, ça va, il y en a qui font leur gym. Putain, j'ai failli me faire avoir par surprise, je l'ai pas vu arriver, elle. Faut que je retrouve un peu de mon endurance. Si je peux. Ramen est un jeu de tir en arène multijoueur délirant et rafraîchissant. Mettez-vous en plein la panse en solo ou invitez jusqu'à 3 potes pour partager un délicieux festin dans des bastons gastronomiques au coin de coin, aux quatre coins de la planète, je présume. Ça me rappelle une citation que ma maman a affichée dans sa cuisine. Si ma mémoire ne me trahit pas, ça dit... Ah oui, il y a... Les hommes parfaits existent. Il y en a aux quatre coins du monde. Seul souci, la Terre est ronde. Elle est terrible, cette citation. Ça m'a toujours fait sourire. Ouais, attends, j'étais passé par là. Oh bordel! Il y avait carrément une meute de zombies dans les baraques. Oh mon dieu! Merde! Pouah, c'est craignos! Mais il y a des hordes partout, quoi. Laisse tomber. Oh. Bon, on va voir si je peux... Si je peux survivre ou pas. Parce que je me mets en danger, là, franchement. Les zombies, ça change de petit chat. Tu m'étonnes. Fonce avec la voiture, me dit Torota. Ouais, mais le problème de la voiture... Ouais, ils sont nombreux, t'as raison. C'est que la voiture va finir par péter à force de jouer les voitures béliers, mais... Oh la vache. Je te donne raison, il faut faire un petit ménage. Je sais pas où est le klaxon. Voilà, je fais nimp. Je panique un peu et je perds littéralement les pédales. Pas grave, tu pourras réparer tes bagnoles. Ah, ça je savais pas. Oh, quelle horreur. Il y a le toast, le torse qui a giclé. Oh, c'est horrible. Merde, j'ai un zombie sur le capot. Ça fait des points, Strike. Je suis là. Ah, cette fin du demi-tour, c'est génial. J'adore. J'adore, j'adore. Alors attends, il y avait une barre. Oh mon dieu, le stop, je l'ai démoli. Alors, réparer les bagnoles, je veux bien. Parce que j'en ai une qui fume. Faut l'amener au garage. Attends, je sais qu'il y a un garage tout proche. Ah oui, et puis la bagnole là, j'étais censé la ramener, la bagnole militaire là. Elle m'avait servi au début. Oh, il n'y a plus de stop avec moi. Elle m'avait servi au début. Et je l'ai bêtement abandonnée à cause d'une mission. Comment on fait pour réparer les bagnoles? Chez les charges Bronto pour filer illico presto. Je crois qu'il faut un kit de réparation de mémoire. Ah, j'ai pas encore découvert ça. Parce que regarde celle-là, moteur qui fume, mais.
Quoi? Chasser un zombie mastodonte ici? Sérieux? Non, il y a du monde ici? Non, il y a personne. C'est ouvert aux quatre vents, il y a personne. Je sais plus si je peux faire quelque chose. Apparemment, non. Un billard? Oh non. M'étonnerait qu'il y ait un billard dans ce genre d'établissement, tu ne sais. Oh, je ne me souviens pas être monté sur le toit. Une petite inspection s'impose. Non, alors contrairement à Seven Days to Die, les toits n'ont aucune surprise, ni bonne ni mauvaise. C'est un peu la déception. Ouais, je suis sur le toit de la station. Oh, cette banderole tirée sur l'angle. Yopi, 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 yop. Oh, ce saut. Doobie 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 yeah yeah. Jerrycan d'essence. Ah. We could probably beef up our defenses. J'irais pas non à... Oui, je veux bien établir des avant-postes, mais avant je veux des cocktails, Molotov. Sounds like I've got company. Ah, ils ont changé l'interface sur téléphone pour Twitch. Je pourrais pas te dire, hein, je déteste utiliser les téléphones, donc je fuis au possible, mais qu'ils aient changé, ça m'étonnerait pas. Non, je vais forcer l'ouverture, je veux tout prendre. Je vais tout prendre à la main et cramer des zombies en masse. Parce que c'est moche. Bah alors, il y avait la porte d'entrée, Nunuche. J'ai l'idée de passer par la fenêtre. Du coup, j'en passe à travers moi-même la porte, c'est fou. Non, mais je vais ramener le véhicule à la base. Je vais ramener le véhicule à la base. Merde. Eh merde! Ah bah. J'ai bien fait de partir en marche arrière. Oh le zombie. Oh, il n'y a plus de travaux. Non! Ouais, tire pas sur le moteur. Hein. Ah, ah, ah. Bah, ça fera toujours un véhicule en plus. Alors, qu'est-ce que je peux faire du coup? Station service. Je sais pas si au niveau de la station service, je peux en faire une place forte. Oh, puis il y a le coup de repérer les zombies. Non, je vais essayer d'y aller à pied parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants dans ce patelin. Je pense pas avoir accumulé toutes les maisons. Je pense avoir fait les deux tiers, mais... Attends, il y avait déjà un zombie qui me suivait, là. Je le vois pas, donc il y a le radar qui me dit des trucs, ça fait flipper. Wow, c'est un super balou, lui. Merde, il y a une horde de l'autre côté de la maison. La maison là, c'est... Il y a les étrangers là-bas. Ah, je vais peut-être leur donner un coup de main. Ah oui, on voit la horde. On voit la horde dans la rue. Qu'est-ce que ça peut faire clip à la Michael Jackson, franchement. Twiddle, 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 twiddle. What a good feel, twiddle. Attends, c'est un four ça? Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Putain la vache. On se croirait dans un... On dirait un four professionnel de trucs à hot dog là. Bon, je vais pas prendre mon service à une main. Attention, laisse passer la horde. I think we're gonna eliminate the worst threat. Well, ah.
Elle réfléchit beaucoup, elle était contre-maître. D'accord. Alors, l'idée est de détruire un zombie sauvage. Voilà. We could use your help over here. How about it? Ouais. Ready to move. Ouais, on se fait un zombie sauvage. Ah bon? Parce que d'après la carte, il y en aurait un tout proche. Non, sérieux? Ah non, c'est pas tout proche ça. C'est quoi ça? Ah d'accord. C'est peut-être... Ah ouais, attends, je sais plus. Est-ce que c'est un endroit qui pourrait devenir une base? Comment ça, colère, morale bas? Qu'est-ce qu'il y a par contre? Bon, la horde, elle est loin maintenant. Ouais, elle est à l'autre bout de la rue. Je crois qu'il serait bon d'y aller en bagnole. Nous avons une bagnole au bout de la rue. Le bon bout, hein, pas celui où il y a la horde de zombies. Mais le jeu de lumière, il est magnifique. C'est quoi? C'est la lune? C'est trop bien, j'adore. J'adore l'atmosphère. Alors déjà, la surprise, c'est le coffre. En général, les coffres sont vides, mais bon. Bah, ça pourra servir. Allez, zou, on embarque. On va se faire une petite virée. La 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 la, de la petite citadine. Après, je vais faire un grand tourisme. Une infestation de zombies. Ah oui, on les voit qui sautent, là. C'est la joie. Ah merde, ils nous ont repérés, c'est con. Alors, les zombies sauvages. Parce que là où je me rends, je me demande si ça pourrait pas devenir une base. Ce serait pas mal. Voilà. Ah ouais, ça saute de partout, là. La madame, elle est tombée du grenier, là. Elle est tombée du toit, c'est pas possible. Allez, on a de la baston. Baston! Oh merde, il y a un super galopeur. Il est chaud. Oh merde. Sauvage tué. Mais voilà, on a gagné. Alors le problème, c'est que... l'autre, elle veut rentrer chez elle, mais il y a plein de zombies, donc c'est bien, elle va les attirer. Allez, vas-y, fais le boulot pour moi. Elle y va, en plus. Ah, mais j'adore. Alors, règle numéro 18. Augmenter au maximum la capacité de compas d'un membre. Oui. Oh merde, elle se laisse déborder. Attends, j'arrive. On a eu chaud. Allez, ça mérite un petit cocktail Molotov. Ah merde, elle est en feu elle aussi. Mais tu pètes le feu, ma grande. Il a complètement changé de pseudo. Bonsoir Pierre Brochand. Extraordinaire. Alors on peut le dire, on est tous réunis pour le dîner de con. La Jovina. Ah, comment que ça va? Non mais sérieusement, elle s'est barrée à pied? Sérieux? Elle est rentrée chez elle à pied? Non mais elle est folle. C'est incroyable. Ah merde! Oh merde, j'ai une horde de zombies, j'avais pas vu. Attends.
Eh, ça c'est un strike. Strike! J'ai gagné! Chaudement, ouais, bah comme tout le monde, j'ai envie de te répondre. Mais ça va, bon, c'est bien. Bah oui, moi aussi, ça va. Merci. Mais il est mignon, ce pignon. Oh, le strike! Bon, la dernière fois que j'ai fait un strike avec un molotov, ça s'est mal terminé dans les 2 minutes suivantes. Souvenez-vous de l'épisode précédent qui était pas plus tard que tout à l'heure. Alors attends, je pourrais pas définir la maison comme un bastion ou pas. Établir un avant-poste, j'ai le droit, non? It's like a good spot for an outpost. Really? Are you sure? Ouais? Yeah. Tell the gang we're building an outpost here. Avant-poste numéro 2, piège prêt. Appel au pillard. Mais non, faut pas piller la baraque qu'on va investir, c'est débile. Alors attends, ça me fait peur de voir le véhicule. Qu'est-ce qui se passe? Mon, oh, mais t'es adorable, merci. Oh, fallait pas. Oh, t'es trop généreux. Oh mon... Oh là 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 là. Attends, je vais devoir mettre le jeu en pause parce que... Oh là là. Ah oh, oui, non mais merci Pierre Brochant. Oh. Oh, t'es choupinou, merci. Alors, Litrika se voit attribuer généreusement un abonnement. Fabellion aussi. Mélissa Japon, elle va adorer. Oh là 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 là. Mélissa Japon, elle va adorer. Elle va faire mumuse avec les émoticônes, telle que je la connais. Porompo, Peuropopo, je savais même pas que j'avais un spectateur qui s'appelait comme ça. Waouh, sans... c'est tout un lot d'abonnements qui vient d'être offert. Alors attention à vos sous. Mais merci pour cette générosité. Des bisous, et des bisous, et des bisous, et des bisous. Oui, merci tout plein, Pierre Brochant. Alors je continue la liste folle. T'as offert un abonnement à Santerion qui, je sais, lui aussi va apprécier le cadeau. Il va faire le foufou avec les émoticônes pendant le mois d'août, lui aussi. Twinsen, il va pas bouder son plaisir non plus. Torota, évidemment. Oh, Mizuki! Je sais même pas si Mizuki, elle connaît mes émoticônes. Oh, Mizuki, alors... Elles sont deux filles adorables. Mizuki et Weneda. Des filles adorables qui ont leur propre canal Twitch. Quand j'essaie de vous les mettre en lumière, je le fais. Bon, là, en ce moment, elles ont beaucoup de boulot. Et je crois qu'elles s'octroient des vacances au mois d'août, mais je sais plus quand. Donc, je pense qu'on les retrouvera en septembre, les filles. Mais Mizuki, Weneda, elles sont adorables. Nashevman, qui est d'ailleurs en direct actuellement, je le rappelle, sur son canal Kick. Alors, je sais plus ce qu'il fait en ce moment. Le pauvre Dash que j'ai abandonné de... Mazette, merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un. Mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune. Puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc. etc. Merci tout plein. Bisous. Oui, merci tout plein, Pierre Brochant. Voilà, donc Nashevman qui est sur son canal Kick actuellement. Et puis quand il avait fini de faire en fait le Zelda, voilà, j'ai perdu l'habitude de le suivre, hein, mais je reviendrai le revoir de temps à autre. Ange de Lumière va pas bouder son plaisir aussi. Ange de Lumière, il va bien aimer les émoticônes entre autres. Merci tout plein. Alors, Eric Fira, ça veut dire je sais plus quoi en breton, du genre le guerrier fier. Alors, ne m'en voulez pas, je parle pas breton. C'est, vous le connaissez mieux sous son précédent pseudo qui était Ladjed, qu'on embrasse aussi. J'espère qu'il souffre pas trop de la chaleur d'ailleurs. Parce que comme il est fragilisé, la chaleur ça lui fait pas du bien. Mais bisous à Ladjed, qui va être content d'organiser Moticone aussi. Alors, Wild One Fox and Kitsune, ça me dit vaguement quelque chose. On salue évidemment. Le Coyote, bonjour aussi. On connaît le Baron aussi. Le Coyote et le Baron, oserais dire qu'ils sont comme cul et chemise. C'est un peu comme Mizuki et Weneda. Ce sont des tandems, on va dire ça comme ça. Mais merci pour eux. Et Junkleman, Pierre Brochant, qui distingue Christella, qui a le droit aussi à ses émoticônes. Et puis ça lui évitera de se faire cirer la pub.
Oui, t'as pu faire effectivement bugger l'overlay. Parce que je sais plus si j'avais programmé autant de... je sais plus. Il y a... Dans la coulisse, on peut dire au bout de combien de lots d'abonnements tu peux dire que tu fais un tir groupé, une seule annonce pour plusieurs, ou tous individuels, je sais plus. Mais ça va, ça a pas craché non plus le direct, c'est pas le but. Il est joli cet écran violet, oui, bah tu m'étonnes. Vous avez dû voir 15 fois le... Tout est revenu à l'air normal sur l'overlay. Ok, génial. Mais merci tout plein, c'est adorable, Pierre Brochon. Oh là! Oh là là, ton retac a tout balancé d'un coup. Eh, t'as eu du bol, hein. Alors, ne faites pas ce qu'a fait Torota, il a le statut de modérateur, je lui fais confiance, et il peut outrepasser certaines règles. Vous pourriez avoir la punition d'un abus d'émoticône dans le chat. C'est exceptionnel. Il a tout joué d'un coup. Oui, tiens, ça me rappelle qu'il faut que je termine de faire l'émoticône Minecraft. Parce qu'elle n'est pas complète, là. Elle est en cours d'édition. Je crois que vous avez une douzaine d'objets. Alors que je peux en mettre 60 et je vais pas m'en priver. Il faudrait que je la mette à jour et que je balance 60 animations. Oh, Pierre Villeray! Mais hey, t'as combien d'images de son visage? Non, mais c'est fou ça! Oui, tu fais pas ça d'habitude, Torota? Bah oui. Mais. Oh là là! Jacques Villeray! Pourquoi je dis Pierre? Parce que je lis Pierre Brochant, ouais, je mélange tout. Jacques Villeray, pardon. Oui. Donc, morale bas, colère et peur. Mais pourquoi? Quelqu'un a besoin de parler. Gestion de la colère. Ah, il faut faire du psy. Infestation avec des hurleurs. C'était quoi le coup de maître? Ah non, c'était... ouais, d'accord. C'est quoi ça? Contribuer à vaincre un mastodonte. Oh là là, il y a des types de zombies, ça fait flipper. Alors attends, on est en pleine nuit, c'est la folie. Attends, je vais prendre les médocs parce qu'elle a plus la barre de santé à fond. Oh, J-Club, bonsoir! Oui, j'espère que t'as pas trop morflé au niveau... J'allais dire incendie, n'importe quoi. Au niveau orage, parce que j'ai vu, je sais plus quand, un soir, il y avait la Normandie qui dégustait. Mais non, mais c'est pas vrai, mais comment tu m'as chopé, lui? Et merde, et mon arme va se briser. Je pourrais aller lui parler, mais... Ouais, tout va bien, bah tu me rassures, Edge. Je vais peut-être prendre la petite citadine. Mais il faut que je retourne à l'autre base, puisqu'il y a quelqu'un qui fait un caca nerveux, là, d'un point de vue psychologique, et qui a besoin de parler. Forcément, j'en ai excité dans la grange. Oh là, il y a une meute devant. Ouais, je vais faire un streak. Ah bah, elle est bien, la petite citadine. On a fait un streak. Streak! J'arrive. J'ai compris que vous avez besoin de moi. C'est une vraie petite bombe, la petite citadine. Elle va à une vitesse. Hop là! Alors, danger mastodonte en approche. Ouais, wow. Alors, qui c'est qui voulait parler, qui avait un besoin de parlotte? Qui c'est qui se disait en colère? Attends. Hmm.
J'ai l'impression que tous voulaient me causer. It's another beautiful day. Et mon pain, qu'est-ce que tu veux? Attends, rien pour moi. Qui c'est qui voulait parler? Parce que si certains d'entre eux pouvaient m'aider à établir une nouvelle base, ce serait bien. Le révérend père voulait peut-être parler, non? Ah, c'est lui peut-être qui voulait parler. Merde, je me suis bloqué dans le pasteur. Hey, how are you? Fainéant sportif du dimanche. Ouais. Okay. Mais c'est pas lui qui voulait parler. God bless. Bon, lui, il va pas me suivre, il fait la prière. Putain, la vache, ça tire à tout va là. Ah, c'est elle qui voulait peut-être parler, non? Miss Gros Calibre qui assure la sécurité. Alors, changer pour Sam of Fun et essayer de se reposer. Ah, d'accord. On peut demander la relève. Ah, d'accord, je l'incarne elle. D'accord. C'est comme ça qu'on change de perso. Ok, excellent. Et elle va se reposer à faire la vigie. Trop bien. Elle a combien de médocs sur elle? Elle en a 9. Non mais faut qu'elle arrête. C'est quoi son arme de prédilection? Mais entrez donc, monsieur le facteur. Aïe. J'allais dire, ils sont pas malins, eux. Alors, attends. Je vais voir ce qu'elle a, elle. C'est quoi sa spécialité? C'est les armes de poing, c'est... Ah, Miss Gros Calibre. Elle aime les fusils, non? Ah, oui. Elle aime beaucoup les fusils. D'accord, le Warden. Oh, la vache. Avec des balles de fusil de chasse. Elle en a. Sinon, elle utilise un bâton de police standard. Ah, bon? Non, on va le déposer, elle va prendre une autre arme. Mais elle est accro au médoc, elle, faut qu'elle arrête. Mais arrête de prendre autant de médoc, elle est folle. Elle prend plein de bouffe, mais doucement. Elle va en laisser aux autres. Elle sait pas partager, elle. C'est incroyable. C'est incroyable. L'âme de scie circulaire. Eh ben, c'est bien ça comme arme. C'est très très bien. Elle a peut-être un petit sac à dos. Oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Oui, dépose ton petit sac et prends-en un gros. Ouais, c'est mieux. On va peut-être essayer d'établir une nouvelle base, non? Ah, peut-être une bonne chose. Balle de fusil de chasse. J'en prends 10 d'un coup. Ouais, j'en ai beaucoup. Ouais, wow, autant en prendre 30. 38 même, oh les carnages. Ouais, pourquoi pas. Allez, je dis pas non, je sens que je vais pas mal tirer au fusil. Bon, qui c'est qui m'accompagne là? L'autre excité de policier. What's our sit rep? You look like you need to blow off a little steam. Come on. Allez. Exactement, on va y aller à plusieurs. Et puis comme le flic, il hérite pas mal de monde dans la troupe. Le fait que je me barre en excursion avec lui, les autres vont pouvoir se détendre un peu. J'espère que le moral va repartir à la hausse dans la... dans notre première base. Ah, c'est dommage que la petite citadine soit... soit cramée. Je prends le corbillard, ça peut être pas mal le corbillard, non? Alors, c'est moi ou c'est un hurleur? Ah non, il a des bras. Merde, il y a une horde devant. On va faire un streak. Alors, c'était une horde. Nettoyer la zone.
Bon, bah on va s'amuser un peu. Mais j'aimerais bien aller dans la base secondaire que j'ai établie à l'autre bout de la ville. Ah mais là, il n'y a plus personne, là, si. Ça défoule. Ouais, attends, il y a un zombie en face. Bon, bah, on a gagné. Oh, re-cousin. À cette heure, je suis agréablement surpris. J'espère que tout va bien de ton côté. Ah bon, alors. Ouais. Non, je peux pas forcer. Ah si, je peux forcer. C'est bien, il est agile, le policier, enfin l'ancien shérif. Eh ben, elle est bien robuste, la voiture corbillard. Comme quoi, les bonnes vieilles américaines, hein, sans mauvais jeu de mots. C'est une assurance. Alors attends, non, moi je vais aller à la base établie, à l'opposé, je vais voir ce que je peux faire avec le poli, enfin notre shérif là. On va aller à la base secondaire. Je pense que je vais pouvoir y établir différents trucs. Et quand ça va être l'aube, que le jour va se lever, j'irai voir les loustiques là, des missions. Oh merde. Bon bah le ranch des bagnoles qui fument. Oh mais non mais va mourir toi. Voilà, alors je vais éviter de percuter la voilà. Ah bah non, il m'a déboîté mes portières, l'autre nunuche. Elle est en train de me démonter ma bagnole. Elle était bien comme voiture bélier, j'irais bien moi. Bon, on en laisse tomber. Le reste va se faire à la main. Voilà. Ah, ça défoule, hein. Alors, on serait dans un jeu où on pourrait trichoter avec un jeu de chargement sauvegarde. Je m'amuserais à tirer un gros coup de fusil là-dedans pour voir s'il y a une vraie physique et boum. Mais comme je veux pas mourir, je ne le ferai pas. Oh merde, il y a une horde de zombies qui arrive des champs. Mais non. Mais non, mais c'est pas vrai. Attends, mais je veux qu'ils mettent pour la base secondaire, là. Voilà, avant-poste 2, deux pièges près, ouais. Alors, attends, on va peut-être fermer la porte, Nenuche. Mais le mec qui sait pas fermer les portes derrière lui, quoi, j'hallucine. Alors. Cool. Alors attends, j'ai pas compris, c'est vraiment une réserve qui est propre à la demeure ou c'est partagé à tous les avant-postes? Si c'est le cas, c'est la magie du démon, hein. Si je retrouve partout les mêmes trucs à droite à gauche, là c'est plus réaliste. Mais bon. Ça va, on est bien armé. Qu'est-ce que j'ai entendu? Il y a eu comme une explosion. Endommagée. Ah oui, il faudra que je répare l'arme. Je sais pas comment. Ouais, les pétards pour faire diversion, c'est pas idiot. Minuteur de cuisine. Alors, minuteur de cuisine, ça attire les zombies. Alors que les radios réveil, ça les fait fuir. Ah, c'est tout et son contraire. Le réveil fait fuir alors que le minuteur de cuisine attire.
C'est intéressant. Ouais. Fais gaffe que ce soit pas eux qui fassent péter la bonbonne de gaz. Non mais t'as raison cousin. Parce que si ça se produit, je te dis pas le souffle. Surtout qu'ils sont à côté là, ces Nigo. Faut que tu me le dises pour constater que ces Nigo tournent autour. Ça craint du boudin. Non, ne me dites pas que le gars m'a entendu parce que j'ai fait un bon. Finirai par me faire regretter mon emplacement de nouvelle base. D'avant-poste. Ah ouais, mais à quoi il joue? Oh! Je ne bouge plus, faut pas qu'elle me renifle, elle. Ouah! Pendant ce temps, je voulais établir une nouvelle base. Papa. Restaure votre résistance au maximum. Oui, bah c'est pas le moment. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est moi ou j'ai une acharnée qui s'excite? Ça se passe où? Ah ouais! Elle nous a repéré, la vilaine. Peau de vache. Montre-moi ta tête. Merde, j'ai plus de balles. La. Il ne s'est rien passé. Oh non! Mais non, mais ça craint. Il va mourir, toi. Mais... C'est pas vrai. Oh merde, j'ai même pas vu qu'il était rentré, lui. Attends, je vais faire le tour de la baraque et je vais les zigouiller là parce que. Oh! Un petit souci. J'étais en train de recharger. Bon! Je crois que nous avons quelques soucis. Oui, merci, bonne soirée, à plus tard, Pierre Brochand. Merci d'être passé, c'est adorable. Encore merci tout plein pour ta générosité sans borne. Merci tout plein. Ah oui, Ange Lumière, t'as raison. Faut que je boive un coup. Attends, je promis, je me débarrasse des zombies là qui sont en train de bousiller mon avant-poste. Je ne comprends pas. Mais arrêtez de bousiller tout ce que j'ai mis en place. Ils bousillent les planches que j'ai mis en fait. Les barricades. Vandales, allez mourir. Merci. C'est pas vrai. Faut que je recommence à tout, hein. Oh, puis ferme la porte derrière toi, toi. Ah, oui, je bois un coup. Tu as raison, Ange de Lumière. Et je continue de carburer, vous savez, à mon sirop à la pomme. Par ces temps, c'est vachement agréable. Recoucou Mélissa. Mais donc, pour info, je sais pas si t'étais là le moment venu. Il y a Pierre Brochand, adorable. Alors, évidemment, c'est une référence au Dîner de con, là. Le film. Mais
adorable qui a offert des abonnements et était l'une des heureuses bénéficiaires, Mélissa. Tu peux faire mumuse avec mes émoticônes si le cœur t'en dit. Encore merci à lui. Oh, pas mal la peinture au mur. Ah, j'aime bien, il y a de la recherche. Ouais, bah merci à Pierre Brochand. Eh oui, pour le cadeau de l'abonnement. Eh oui, en jeu de lumière. Bah oui, toi aussi, t'es heureux bénéficiaire. C'est ça qui est beau. Bah, au moins quand vous connecterez durant le mois d'août à ma chaîne, vous ne coltinerez pas les pubs. J'en suis ravi pour vous. Vous aurez un accès direct à mes âneries. C'est ça. Alarme. Alors, le gyrophare, vous saurez que je l'ai shippé de Kik, la plateforme concurrente. Quand justement je m'amusais à tester les émoticônes chez Kik sur le canal de Nashevman. Et dès que j'ai vu le gyrophare, je dis c'est bon, je le ship. Honteusement, je procède à un copier-coller parce que je le trouvais trop bien, le gyrophare. Bon, attends, je suis bloqué avec l'option revenir à la base qui est scriptée là et je peux plus aménager la montagne. Ah oui, voilà. Nous pouvons en rire. Oh, quelle horreur, la posture du zombie! Ah, je suis coincé avec le script, il faut que je retourne à la dite base numéro 1. Ça neutralise mes projets là. Oh, il y avait une horde là. Vache. Oh, je vais faire le tour du village. De police dans l'angle pour me faire un repère. Anyway, I wanted you to know that I understand your frustration. That why you wanted this bit of quality time? We're all stressed, but we can't afford to be at each other's throats, okay? So start playing nice or you're out on your ass. Hey, thanks for the pep talk. It helped. Good. Tiens. On vient de l'engueuler justement parce qu'il fait suer les autres. Et du coup, il accepte de voilà, gestion de la colère, c'est bien. La crise évitée, bon bah c'est cool. J'avais vu juste en le sortant du groupe. Donc eux ils ont pu souffler un peu. Et c'est quoi ce bordel sur le parquet? Vous pouvez me le dire? Ah, pff, on dirait qu'on a fait une teuf là. J'ai la fête. Bon, je vais pas l'enquiquiner, elle mange son casse-croûte. Alors... Comment ça, mastodonte en approche? Ah, oh, ça me rend fou. Ça me rend fou. Que dit la carte? Non, la carte. Oh la vache, il y a ça à faire. Ouais. Avant-poste, il y a des loustiques là-bas. On ne balance pas. Comment ça, moins 10 de morale? C'est quoi ce délire? Il faudrait que je prenne une bagnole pour me barrer là-haut. Il y a un vieux pick-up. Ouais, je peux peut-être prendre le risque d'y aller. Une infestation avec hurleur. Waouh. Elle a quoi déjà dans son attirail, la miss? Parce que je pourrais peut-être y aller au culot en solitaire, ce qui est très risqué, mais bon. Vous me direz, j'ai un fusil. Attends, j'en prends juste 30, voilà, histoire d'avoir le nombre de balles limite. Ouais. Soyons fous. Parce que si quelqu'un m'accompagne, ça va être encore un truc. Quoi? Brianna a survécu. Chasse aux zombies. Pourquoi moins 5? Je comprends pas. Ils disent que Brianna a survécu et...
Et ça, il y a un malus de morale. C'est moche. Ils voulaient tous qu'elle crève ou ils ont des griefs contre elle ou la petite citadine, elle me fait marrer. Alors la voiture de sport, je veux absolument la préserver. Il est hors de question que la voiture de sport. Je veux finir le jeu avec la voiture de sport, obligé. I think our defenses are okay, but I'm not sure I want to put them to the test. A few more outposts would give us more of a safety net. Mais j'essaye de bâtir des avant-postes, mais vous suivez pas le mouvement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Elle va mourir dans la tranche. Oh, Burk. Oh, l'énorme gerbe de sang sur le... Oh, des sunflowers in English. En français, c'est des tournées vers le soleil, tournesol. C'est Mimi. Chez Mimi. Oh la vache. Ah ouais. Mais pourquoi la maison là, elle est infestée de... Oula. Ils sont trop nombreux. Ils sont beaucoup trop nombreux. Alors là, ça va être divisé pour mieux régner, là, parce que... Ouais, aux zombies, bah ouais, tu m'étonnes, mais ça... Oh, magnifique! Attends, faut essayer vraiment diviser pour mieux régner. Tourner autour et... un à un, les aiguiller. Oh, les mandales! Faut qu'elle récupère son endurance, la Miss aussi. Ah, puis le pire, c'est qu'il y a une horde dans la rue, quoi. C'est la tête. Ah merde, c'est un hurleur. Alors lui, il est pas cool. C'est limite si je veux pas le faire au fusil à pompe. Voilà, comme ça, il n'aura pas le temps de hurler. Voilà, faut surtout pas qu'il hurle. Même un coup de fusil fait moins de boucan que le gars qui se met à... Non mais c'est vrai. Hein. Une sacrée pelle à tarte que t'as là. Oui bah oui, non mais hey, t'as plein d'armes contondantes et c'est vachement important de choisir la bonne. Là j'ai un semblant de... Ouais, ça fait un... une lame rasoir de fortune monstrueuse. Mais tout à l'heure c'était dommage, ça a pas duré longtemps alors que ça tranchait très bien. J'avais un sabre de l'Inde, enfin des Indes. Je sais plus comment... J'ai pas retenu le nom. Le top du top, évidemment, ce serait le katana, mais faut pas rêver. Les katanas, pour en trouver, là, ça va être ultra balèze. Parce que c'est une arme de choix. Putain, mais il y en a combien dans la baraque, quoi. Alors, ce serait pas en construction et en bois que j'aurais pris un cocktail molotov, là. Je faisais pareil. On court ici. Ah, putain, puis il y a la horde qui est dans la rue juste en bas, quoi. Je suis cerné, c'est une horreur. Je suis dans la mouise. Je suis dans la zone rouge. Ah, rouge sanguin. Vous connaissez? Alors, j'ai pas de grenade. Malheureusement. Oui, non, mais voilà. Oui, non, mais je comprends, mais ça, c'est... Sur le papier, ça se tient. Mais j'ai pas cet équipement, tu vois. Mais remarque, tu vois, ils sortent un à un, donc j'arrive à maîtriser. Je gère. Faut juste que je me laisse pas déborder par un duo ou un trio. Voilà, là ça devient dangereux là, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont repéré d'un coup. Voilà, là ça devient dangereux. Voilà, je me recule un peu. Et il me bouscule, comme d'habitude. Merdoum. Ah, c'est un... Oh là, bah j'ai du bol. Parce que c'était un mec en armure militaire. Ouh, 4 à la suite, c'est beau.
Doucement. Alors, on y va doucement. Le pire, c'est que je pourrais même y aller en mode ninja accroupi. Mais bon, là, je pense que j'ai fait la plupart des zombards. Merci pour les GG. Violoche. Eh ben, j'ai gagné. Area secure. I got nothing left. J'ai gagné. Alors, l'idée était de prendre une bagnole au carrefour. On va relire la carte. Merci cousin pour les GG. La mission était de reprendre une bagnole pour remonter le chemin et aller là-bas. Oh merde, il me demande à l'aide. Traquer un zombie blindé. Ouais, mais attends, je verrai après parce que... Oh merde! Ah merde! Bonne nuit, Mélissa! Zombie, à plus! Bonne nuit! Ah non, c'est cousin! Bonne nuit, cousin Rio! Oui, merci, Mélissa, qui m'alerte comme il faut! À demain, bisous, cousin! Ciao! Oui, il y a une horde de zombies. Ah merde, Doom. Donc il y a la mission qui est là-bas aussi. Oh là là, j'ai l'embarras du choix. Oui, tu vois, je me plante de... Parce que je lis instinctivement, je lis la dernière ligne dans le chat. Ce qui parfois me donne évidemment un propos complètement décousu de ce qui se passe dans vos échanges. J'ai cru que c'était un haut hurleur de voir la dame zombie du dos. Mais il n'en est rien. Chasse aux zombies blindés. Chasse aux zombies blindés. Ça va être... Oh non! Encore une infestation à gérer. Non, là ça va pas, je vais redescendre, ils sont trop nombreux. Monte ma grande. Ah non, là ça va pas, là ils sont trop nombreux. Faut arrêter la déconnade. Merde, homme. Ouais, elle est trop agile, elle est dangereuse. Non, armurerie, y'a plus rien. Alors pourquoi je devais aller là? Y'avait un mec qui m'y attendait, c'est ça? Ah oui. Bah alors. We could use your help in this area. Well. Rêveur, directeur, j'ai pas compris. Pourquoi il passe en haut? Ok. Ouais, on voit un zombie là. Je sais pas si l'idée de sauter du balcon est une bonne idée, je ne pense pas. Mais il me suit, ouais, il me suit. Oh, le beau poisson, j'avais pas vu en trophée sur le mur. Stylé. Alors, donc... Ouais, tu parles, infesté du hurleur. C'est quoi ça? Rechercher zombies blindés. Oh merde. Eh ben, on n'a pas fini.
Et le pire, c'est qu'il y avait un... le mec sert à rien. Non, mais c'est faux. Le mec va me servir, en fait. Parce que si je suis vraiment en difficulté avec les zombies, si tu veux, Mélissa, il va venir... il va venir donner un coup de main et il va pas prendre des photos et envoyer en direct sur Instagram, tu vois. Pas des colis non plus. Violence. Violence de rue. Il faut se sauver. Ah bah oui alors. Je les connais. Attends, il y avait des... Il y avait pas des zombies... Bah voilà, ça c'est un zombie soldat. C'est les zombies là qui veulent patater là, les zombies blindés. Il va être content, il va avoir le sien. Et voilà. Ah non, ça c'est un zombie obèse, c'est pas pareil. J'ai rien dit, j'ai confondu. Ah, oula, oh oh oh, il y a du monde, attention. Ah là, ça va être vite, mais là le patatage. Allez, en stéréo, les deux en même temps. Récupère ton endurance, récupère ton endurance, et puis mange un morceau, tiens. Ça te fera du bien, ma grande. Hop là. Oui, d'ailleurs, même les médocs, elle peut les prendre. Allez, hop. Les analgésiques, là. Il a joué au golf avec son machin et te laissé dans la mouise. Non, mais non. C'est un 18 trous. Et ben là, on va se faire un 18 zombie. Wouhou. Ah! Oh merde! Il y avait un hurleur! Ah! Tais-toi! Merde, j'ai loupé! Il est tombé en arrière alors que je voulais le toucher, mais. Vas-y, fais-toi plaisir! Parce que le hurleur, il est chiant! Oh, mais non, mais. Vous venez après la fête, monsieur! C'est décevant! Vraiment. Quoi, il est encore en vie? Ah, mais il est encore en vie, cette horreur. Ah oui, alors. Bah alors, ce swing. On a gagné. Résistance Kidman. Site de base potentiel requis 8 personnes et 30 matériaux. Bah, écoutez, ils veulent des bases partout. Moi, je veux bien. Eh ben on va faire un avant-poste, allez c'est parti. Un lieu doit être exploré entièrement avant de pouvoir y établir un avant-poste. Ça a le mérite d'être cohérent. Parce que là, c'est limite si je clignote pas en me disant site de base potentiel. C'est le lieu idéal. Bon c'est vrai qu'il y a de la surface, c'est vrai. Ils veulent des avant-postes, on va en faire plein dans le... Allez où? Et je suis content parce que le jeu, je le trouve vachement beau. Et finalement, il bouffe pas tant de puissance graphique que ça. Il fait chaud, on est donc en été, je vous l'apprends pas. Mais mon ordi, il a jamais bipé hein, en alerte chaleur. Hein. Donc, cool, ça me fait super plaisir. J'adore le jeu, trop bien. Bon, je vous cache pas qu'on retrouvera plus facilement Dying Light, hein, faut que je termine ma carrière. À l'arrivée de l'automne, hein, d'ici 2 mois. Alors, là, j'ai un peu peur. Parce que les zombies, là, ils vont pouvoir... là, il faudra barricader le mur. Enfin, la porte. Parce qu'à mon avis, il y aura des zombies qui vont s'inviter dans ce qui pourrait devenir un préau. La configuration là, pardon, mais elle est gênante, quoi. Ouais, je peux rien barricader, là. C'est pas possible. Faut fermer la porte et... Ouais, bon, là, c'est bon. Ici, on a quoi? Ouais, salle de bain. Oh, merde, il y a les déchets qui sont dedans, c'est dégueulasse. Alors, ici, on va barricader. C'est un peu bizarre, vous remarquerez dans ces maisons américaines, ils ont les fenêtres, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de volets. C'est moi ou il n'y a pas de volets?
C'est bizarre. C'est américain, ça, ou pas? Je vous avoue que j'ai jamais fait attention dans la culture américaine. Alors, attends, je vais vous laisser. Moi, grande journée demain. Merci pour cette journée de direct. À bientôt. Bonne fin de direct à vous. Merci. Bisous, Mélissa. Prends soin de toi. Profite bien de tes vacances. On te souhaite le meilleur. Zoubi tout plein. Merci d'être venu. Ça fait vachement plaisir. Bah, profite bien de... Voilà, de tes excursions. Je présume que tu vas faire pas mal d'excursions en famille. Dans la Creuse, profite un max. Bisous, à plus. Ah là là, c'est beau. Moi, il y en a qui ont la belle vie, c'est bien. Tiens, d'ailleurs, en parlant de belle vie et d'excursions, la semaine prochaine, il est prévu que je tourne encore une autre promenade avec Nayane. Ce qui fait que, comme j'ai perdu l'habitude de vous les diffuser et que je les cumule, je sais pas ce que ça va donner, mais on va avoir des heures et des heures de promenade à visionner en commun. J'arrive plus à gérer ma propre chaîne, c'est n'importe quoi. Quick question, cette grande maison, il n'y a pas d'étage? C'est une mono-étage, la machine? Sérieux? Attends. Maybe later. Peut-être plus tard. Un lieu doit être exploré entièrement, on va pouvoir établir un avant-poste. Ok, 8 personnes et 30 de matériel. Ouais, mais c'est pas fait, ça, sérieux. Attends, vas-y voir l'extérieur. Ah oui, c'est vrai que c'est une mono-étage. Là, on pourrait croire qu'il y a un étage supérieur, mais... Oula. Ouais, bon. C'est sympa. Non, ça y est, je me trompe déjà de touche. C'est quoi que je voulais faire? Ah oui, vérifie le coup des zombies. C'est quoi ça? Pourquoi il me dit qu'il y a un zombie important là-bas? Zombie! Pourquoi ce zombie est-il important? Pourquoi? Un zombie important! C'était un zombie d'élite. Ah bon, on a gagné. On a gagné. Non, je peux pas forcer le... Ah non, j'ai pas le droit. Tant pis. Donc, la suite. Ah, il y a des zombies qui apparaissent là. Repérer des zombies pour Prout Prout. Et j'espère honorer ma mission là de... Comment ça on est fichu, panique? Mais ils peuvent arrêter de paniquer pour rien. Ils sont fous, c'est pas possible. Alors, la zone dite du truc à relever, je me demande si je vais pas aller à l'angle opposé. Attends voir. Ouais, il y avait un zombar. Ah! Merde, c'est là-bas que ça se passe. J'ai vraiment pas le sens de l'orientation. Oula, il y a un zombie qui était... Attends, j'ai arrêté de courir parce que je suis en train de m'épuiser. Génial, je lui ai pété le bras. On n'en parle plus. In position. Eyes up high. We need you to do a little survey. Rechercher une horde de zombies.
Oh, je sais plus si j'avais fouillé ici. J'ai un... Ah si, le fast-food me dit vaguement quelque chose. Chercher une horde de zombies. Mais il faut que je monte sur le toit. Il y a un... Oui, voilà. L'échelle est intérieure. Ah oui, mais bien sûr, l'antenne, elle est magnifique, l'antenne. Mais comment ai-je pu l'oublier? Ouais. Ah merde, je me suis blessé en faisant ça. Je me savais que j'allais me fouler les chevilles. Faut que j'arrête mes bêtises, moi. Au moins, le jeu est logique. Je ne suis pas un super-héros. L'animation est extra. Allez, grimpette, exercice militaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je sais pas. Oh la vache, c'est pire que dans Dying Light. Waouh. Ne souvenez pas que ça grimpait aussi haut. Ça y est, qu'on est au niveau des antennes 4G, c'est bon signe. Alors, inspection. Beau endroit de la souris. Comment ça, j'ai repéré un bizarre? Ah, un sauvage. Zombie d'élite, zombie sauvage. C'est quoi là-bas? Ah, c'est ça le mastodonte? Rappelez-moi de prendre une paire de jumelles pour de bon la prochaine fois. Ça, c'est une horde de zombies. De la fumée. J'ai pas compris là. C'est venu du ciel, c'était piégé, c'était quoi? J'ai pas tout compris là, faudra m'expliquer. Ok, bon, de l'autre côté, j'ai tout repéré. Non, je ne veux pas aller au tribunal. Ça, c'est un zombie d'élite. Ah, c'est vrai que maintenant qu'on a repéré des lieux dans la ville. Bon, moi j'ai fait mon 360 degrés, j'ai toutes les infos. Excellent. Excellent. Oh la vache. Ouais. Bon, faut vraiment que j'aille là, moi. Faut vraiment que j'aille là, parce qu'à mon avis, ça va être chaud, et il fait encore jour, donc j'en profite, pardon. Ce jeu de survie. Oh là là. Alors, il y a une tuture là-haut. Je vais l'emprunter. Je vais me gêner. Hop là. Oh non. Ah, attends, c'est quoi ça? C'est vrai que j'ai pas visité. Faudra que je visite en bonus après. Donc les moustiques sont au bout de cette longue route. Une longue route champêtre. Waouh, ça fait rallye là.
droite léger. Danger, boss. Gauche 4. C'est un peu ça. Bon, sur le retour, il faudra voir les... Comment ça indique que je suis en mission? Mais non, mais... J'avais fini la mission dans les... Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. C'est beau! Oh, j'adore! C'est magnifique, ce cadre champêtre. Alors, qui c'est qui est par ici? Dites-moi tout. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais je croyais que j'avais fini de repérer les zombies. Je comprends pas le jeu là. Renseignez-vous sur les raids. Ah, dans cette étrange demeure. Oh punaise. Wouah. Alors, j'aurais pas confiance à habiter la baraque qui était belle. Parce que là, on dirait qu'elle va s'effondrer. Vous êtes qui, vous? Hi. Oh, ce mépris. Hey. Oh, ce mépris. Hey. Hi. Talk to the boys if you're looking for a trade. I'm busy here. J'ai des questions à vous poser. You've been hearing some rumors on the CB. People out looking for supplies, getting robbed, stuff like that. I see. And you're the law on this matter, are you? More like a concerned citizen. Well, your concern is noted, but we haven't had any problems here. We look after our own. And you wouldn't know anything about this, would you? Take a walk with me, will you? Let me see if I can't explain how things are. Funny thing about people, they don't much like to challenge their assumptions. Now me and my brother, we done pretty well for ourselves in all this. Other folks see that. Well, it is in the character of very few men to honor, without envy, a friend who has prospered. Aeschylus said that. Me. And an envious man is a man who will spread rumors about his neighbors. Right. Because normally, gun-running moonshiners are such upstanding citizens. Because we're businessmen. It's all about seeing the long game. Rob a man, and he'll give you what he's got in his pockets. You sell him what he wants, though, what he needs, and he'll keep on coming back to give you everything he has. Did Aeschylus say that, too? Here, let's ask Mickey. Ah. D'accord. Ah merde. Mon arme est en mauvais état. Our fellow survivors. Seems there are rumors to that effect. Shit. If we was, wouldn't be anybody to spread the rumors. See? Nothing to it. Now watch you run along, and if we hear anything, you'll be the first to know. Mm-hmm. Bon, bah ils avaient se démerder, bravo à eux. Et visiblement, vraiment en pleine nature, il peut pas y avoir de zombies. Donc les zombies seraient liés en fait à la civilisation humaine, donc tout ce qui est zone urbaine, etc. quoi. Oh non! J'ai rien dit. J'ai une horde sur la route qui vient de se créer. Attends, pourquoi j'ai... Attends, mais c'est une blague. Mauvaise. Qu'est-ce que c'est? Oui, non, c'est très très bizarre. Bon, on va être poli, hein, c'est-à-dire je vais repartir avec le véhicule avec lequel je suis venu, je vais pas repartir avec le leur. D'accord, alors ça craint. Voilà. Ah! Ah bah ils se sont calmés, tiens.
Oh. Va mourir, le zombie, va mourir. Ah, je passe pas assez proche du... Oh merde. Oh, joli. Oh, 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 oh. For now, we just tell our runners to stay extra sharp. You don't want to antagonize the lookers if you don't have to. All right, I'll let everybody Attends, know. Là, il y avait un truc, là, j'ai l'impression... Merde! Ah, j'avais pas vu que... Quoi? Ah, moins 15% vis-à-vis de ses survivants. Oui, oh, tu parles. Attends, là, par contre, c'est bizarre. Alors, oui, il y a du monde, mais... Mais oui, il y a du monde. Wow, ils sont nombreux par ici. Ah non, il y a un galopeur. Ouais, j'allais dire, les galopeurs sont super dangereux. Je suis content de l'avoir écrasé. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Allez, encore un. Deux d'ailleurs. Ah! Ça peut s'arranger. Ah ouais, il est parvenu à m'expulser de la bagnole. Gros vilain. Allez, au suivant. Je l'ai pété, mais au moins j'aurais fait mon dernier zombie avec. Victoire! Ah. Allez, un petit tanka, elle a mérité. Parce que c'est bien battu. Ah. Voilà, U. Oh là, oh là, il y a même des zombies à l'étage. Regardez-moi ça. Attends, j'ai personne autour de moi là parce que je vais rigoler là. Ah, ils sont nombreux. Et bim. Oh, c'est drôle que je m'amuse un peu avec le flingue. Oh, merde. Ah oui, merde. Faut peut-être recharger, oui. Ah, quand même. J'ai 5 zombards. Joli, c'est comme ça qu'on fait. Allez, tir groupé, une balle pour deux zombies. Comment ça, Lily est triste? Oh, on va perdre l'espoir. Quelle bonne idée. Mais oh là, j'ai merdé. Aïe. Waouh, rien qu'à la mâchoire, elle me tient, la vilaine. Oh, il y a du monde qui arrive là en bas, j'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Bon, vilaine madame, là. Elle est un peu trop hardie. Oh, merde. Ils sont un peu trop nombreux. C'est un truc qui se fouille, c'est un peu... Ah! Comment ça m'a brisé, oui. Excusez-moi du peu. Oh la vache! Je suis en train de me faire dévorer là par les deux dernières. Message de Torota 77. Je viens de voir sur une pub Twitch chez Bambastos que le film Borderlands sort au cinéma. Ah! C'est intéressant. C'est bon, j'ai entendu une voix. Putain, j'ai plus de médoc, ça par contre c'est pas cool. Ah merde, d'accord. J'ai failli faire avoir comme un bleu. Comme un bleu. Oh, je lumière a reconnu la voix d'Ezio Olituare da Firenze. Time's not exactly on our side, if you know what I mean.
Burk. Une assiette dégueulasse. Bon bref. Ah ouais! Ah je veux bien. La batte, ouais, ouais, ça peut servir. Toujours ça de prix, une batte de baseball. Alors attends. Ah, puis il y a un étage, cool. Attends, on est où? Parce que ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une base, non? Ils veulent que je mette des bases tout partout. Écoute, là, c'est plus facile à barricader, non? Qu'est-ce que j'entends? Ah, merde, des zombies. Ah oui, c'est rigolo, ça. Une béquille, ouais. Tu sais, oui, je vais peut-être l'utiliser, tiens. Poupée qui parle. Oh, merde. J'ai pas fini ma fouille. Faut pas me déranger. Tiens, du coup, je passe par la fenêtre, par ta faute. Encore une transmission. C'est pas vrai, ça. Ça sonne creux dans ta tête, madame. Aïe! Les voisins ont besoin de votre aide. Mais attends, mais il y a trop de monde là, j'y arrive pas. Mais ça, hey, ça veut pas péter. J'ai plus d'énergie! J'en peux plus! Ça m'épuise! Allez, un snack et ça repart. Oh, une pomme! Manger les pommes! Oui, la poupée qui parle va être utile, je crois. La poupée qui parle! Violence! J'aimerais finir l'inspection de la baraque, si vous pouvez me lâcher un instant. J'apprécierais, merci. Va mourir. Si tu l'acceptes, merci. Oh, j'ai même pas vu qu'il y avait une voiture. Ah oui, mais non. Elle est pas... Non, laisse tomber. Elle n'est pas exploitable. Dommage. D'ailleurs, la voiture là, qui n'est pas ma voiture d'origine, pourrait m'aider. Ouais. Je vais repartir avec cette bagnole. Comme je ne sais pas réparer les bagnoles, tant pis, elle, je la laisse là, fumante. Je reviendrai un autre jour. Sauvegarde. Non, je ça sauvegarde automatiquement, je de lumière. Merci de m'avertir, mais si tu veux... c'est ce qui fait tout piquant du jeu. Retomove, bonsoir. C'est ce qui fait tout piquant du jeu, c'est que tu peux pas t'amuser à faire un jeu de sauvegarde, chargement et de tester des trucs. C'est oui, réhydraté, oui, Torota, oui, Tomouf. Voilà, vous y mettez à deux. Il faut que je boive doublement. Mais ah vous avez raison, merci. Je vais continuer à savourer mon chiro à la pomme. Ah, maison dégagée. Est-ce que je peux la déclarer comme base? Ah, bah attends, il y en a qui sont plus proches. Ah merde, je peux pas faire un avant-poste. Ouais, il faut absolument que je fouille les sur place d'abord. Ah. Alors déjà, une première gorgée, là, c'est vrai que j'avoue que c'était bon. Oh, et la fouille, elle était bonne aussi. Ouais, mais attends, si ça devient ma base ici, autant que je laisse sur place, quoi. Mais bon, on va fouiller. Le plaisir de la fouille. Et le tapis, il est pas mal non plus. Je veux bien avoir le tapis là dans ma piole. C'est le luxe. Croche de hockey commémorative. Oui. Ah, des médocs. Ah, la grande armoire du couloir à l'étage. Alors, tu as vu le sage, me dit Tomouf. Il y a une apparence gratos sur Borderlands que j'ai partagé sur ton Discord. Ah, non, j'ai pas vu, Tomouf. Il faudra que je regarde en dehors du direct. Merci du partage d'infos, Tomouf. Ah oui, une apparence gratos dans Borderlands, je veux bien. C'est pas comme si c'était le jeu du moment avec les copains. Vivi. Je veux bien. Merci, Tomouf.
Ah oui, je suis preneur. Alors, est-ce que je suis en droit de barricader tout ça? Alors, ce qui est bizarre, c'est que le fait de barricader... Bon, vous me direz, c'est un peu le bordel partout dehors. Le fait de barricader, là, avec les planches... S'il n'y a pas un gestionnaire de ressources, c'est-à-dire que là, j'ai des planches en illimité. Avec la magie du démon, j'ai les clous, j'ai le marteau sous la main, et c'est merveilleux. Bon, je suis prêt à le croire, hein, vraiment, vu le boxon. Mais tout ce qu'il y a sur place, mais quand même, quoi. Enfin, bref. Et là aussi, c'est une barrière bien isolée. On est à côté des résistants dissidents qui nous font plus confiance parce que ils n'ont pas apprécié qu'on les ait soupçonnés de pillage. Mais alors, Lily, arrête de me mettre la pression, je suis en train de préparer une base, tu m'avais demandé ça. L'autre qui déprime, là, qui a fait moins 15 points au moral, faut qu'elle arrête. Je bâche pour notre survie à tous. Croyez-le ou non. C'est merveilleux. Bon, alors, je peux déclarer comme base, là, c'est bon, c'est barricadé à donf. Je déclare cet endroit avant-poste. Oui, alors, tu as raison, Tomouf, ça laisse rêveur. Trois coups de marteau et le perso bricole comme un pro, ouais. C'est dans la vraie vie, on aimerait avoir cette facilité aussi. Manque de bol, ça marche pas. Nous, ça vaut pas trois clous. Si eux, ça vaut trois coups de marteau. C'est moche. Allez, avant-poste numéro 3. Il est stratégiquement bien placé, mon avant-poste, là. Trop bien. Trop bien. Ça nous fait des bases à gogo. Bon, je vais aller sauver le soldat Ryan qui est je sais pas où d'ailleurs. Sur la route en face. C'est quoi devant? Ah oui non, c'est un cadavre de zombie à la noix. La zombie à la noix, doula doli doula, la zombie à la noix. Doula tuki. Alors je fais attention parce que j'ai plus de... Ah, il y a une baraque ici. Ah oui. C'est là qu'ils sont les survivants ou pas? Qu'est-ce qu'il me fait? Mais non, mais de... Attends, je comprenais plus là. Ah, c'est derrière la baraque. Non, y a rien. À part des restes dégueulasses de... Je veux même pas savoir. Y a rien de rien. Non, il y a de lien. Il y a absolument lien. Construire une zone d'entraînement. Putain, mais c'est pas vrai. Je veux bien construire. T'es qui, toi? Ah, there you are. Oui, bah je te vois, t'es devant moi, Nunuche. We could use a hand clearing the area. Ah. D'accord. Il a un qualificatif que je vous laisserai lire. Et il pratiquait la taxidermie. Monsieur Ashton Nonard Garrett. Bon, bah voilà. Quoi? Rejoindre la festation suivante. Quoi? Ah. Oh le bordel, oh ce jeu. Ah, c'est un lieu, l'arbre. Le bel arbre est un... D'accord. C'est un lieu dit, ce fourré. D'accord, ok. Eh ben, c'est un coup fourré. Ah, Torota, tu veux un sondage. Watch behind us. Pendant 5 minutes, tuer les zombies qu'avec une bagnole.
Ouah. Alors attends, bouge pas. Ah oui, mais ouais, non mais ouais, non mais attends, oui, poule, je peux pas. Attends. Attends. Commande inconnue poule. Astuce, commande du chat Twitch avec un point à la place du slash et point mode. Afin d'outrepasser les commandes du système chatty, vous pouvez utiliser cette commande de taille du chatty, il ne reconnaît pas encore. Oui, mais si je fais point poule, ça va pas marcher. J'aurais pas l'interface en fait. Ah oui, commande inconnue poule. Oui, mais faut que j'ouvre mon navigateur. Ah, tu m'as coincé ton retard. Mais oh, écoute, en plus t'es dans ma modération, t'as le glaive, tu serais en droit de le faire. Mais attends, je vais te le faire. Bouge pas. Attends. Ah oui, je vois qu'il y a... Ah, il n'y a pas tant de monde que ça ce soir. Tiens, sur Twitch. Oh, je m'attendais à ce que plus de monde fasse mumuse, mais bon, en même temps, vous me direz que c'est la période des grandes vacances. Alors attends, que je retourne sur mon canal, que je fasse le sondage moi-même. On va y arriver. Au secours, je vais me boire et m'entendre en double, ça fait peur. Tais-toi, mon moi du passé qui a 5 minutes. Enfin, il n'y a que 5 secondes plutôt. Alors, je peux faire les prédictions et pas les sondages. Ah ouais! Ah, je croyais que la modération était en droit de le faire. Ouais, 5 minutes de vote. Alors, 5 minutes. Zombie. Tué par voiture. Par voiture seulement. Point d'interrogation. Oui. Non. Commencez le sondage. attends, j'aimerais bien me... Ah! Ouais, non, c'est pas grave. Non, bah, j'ai fait le sondage. De toute façon, je verrai le résultat dans mon... Si je peux pas créer de sondage via mon logiciel, qui est l'excellent Chatty, je peux voir le résultat. Voilà. Comme ça, je vais voir votre choix après. Donc, vous avez 5 minutes pour voter. Oui, non. Est-ce que vous voulez que je relève le défi de Torota? Bah oui, je pense bien qu'il me donnera le résultat. Non, mais honnêtement, je devrais le voir automatiquement. Mais voilà, faites-vous plaisir. Voilà, Torota veut soumettre le sondage. Est-ce que je dois être condamné à 5 minutes de zombies écrasés en tuture? Et exclusivement en tuture. Ce qui veut dire que je dois entretenir la bagnole et pas me faire expulser du véhicule. Ça va être chaud. Ça va être chaud, bouillard. Oui, l'outil défale la colline. Oh, vilain, va mourir. Merci. Alors, le défi du jeu, qui veut que j'aille là de... Lalalala. Oh! Oh! Le zombie en grisade dans les... Ça me rappelle le jeu d'horreur. Le Slender. Vous vous souvenez de Slender, la petite fille? La petite fille amaigrie... Putain, je suis en train de m'épuiser, il faudrait que je change de perso à la nuit suivante. La petite fille qui courait dans les champs là, qui était traumatisée, qui était anorexique, horrible, squelettique. On se croirait dans Slender. C'est exactement la même ambiance. Pour ceux qui se souviennent. J'espère que vous avez apprécié parce que les jeux d'horreur, j'en fais très rarement. Je crois que je suis parti pour vous en faire un tous les 5 ans. Ah! J'étais bien large. J'étais bien large. En plus, je suis même pas dans la jaune, il faut faire... Oh, j'aime bien ce berger. Alors, c'est quoi? Nettoyer l'infestation de quoi? Mais non, mais c'est pas une demeure, ça, c'est un truc à déchets. Non, c'est un même pas, c'est un truc à... C'est des ruches. Infestation des... Ah, il y a un truc dans le... Non, la zone n'est pas sécurisée. Hé, nonard, viens me défendre! C'est un authentique nonard. Il a abandonné. Va mourir! Touchez pas au verger! Et encore moins au verger, Laura! Tiens, d'ailleurs, c'est la saison des Mirabelles dans ma belle.
dans ma belle contrée. Ah, on distingue l'outil à vapeur fumée pour anesthésier les abeilles. C'est réaliste, c'est bien. Ah ouais, elle est lourde la pelle, mais elle est bien. Oh, une hache. Ah, tout me plaît. Tout me plaît. La batte est sympa, mais alors la hache aussi, quoi. Ah non, je peux pas tout prendre. Forcer l'ouverture. Ouais, je veux bien manger un petit encas et en prendre deux. Non, la pelle restera là parce que... Mais qu'ils arrêtent dans la base d'être pessimistes. Oh. Bon, allez, je vais me barrer. Ah, attends, je peux repérer. Attends, c'est... Ah oui, le silo, exact. C'est un point de repère, le silo. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je veux bien repérer l'endroit. C'est pas idiot du tout. Et il faut que je me mine des fesses parce que... Crépuscule. Oh la vache, faut pas tomber. Hein. Oh merde. Zombie d'élite. Encore une horde de zombies. Un hurleur. Magnifique. Ça craint. Oh là là, zombie d'élite. Bon, le berger. L'enclave des loustiques là qui sont indépendants. Eh, pas mal le paysage. Oh, putain, faut que je me barre. Vite, faut que je me barre parce que c'est pas ma zone. Il va faire nuit. Elle commence à être vraiment fatiguée. Donc la miss là, elle a mérité une nuit de repos au complet. Pour peu que le vote se termine dans le chat, je vais avoir droit. Oh les lalo! Vous m'avez condamné à l'unanimité à prendre la bagnole et à faire un carnage zombie routier. Eh ben, ça va commencer à bord de ce véhicule. Poil au hull. Ça ne veut rien dire, parce que... Hein, bon, c'était pour la rime. Poil au pédoncule, poil au pédoncule. C'est parti pour 5 minutes de carnage routier zombie. Oh, zombie futé, tu connais? Ça n'existe pas. Un zombie, par définition, ne peut pas être futé. Ah. Laisse tomber. Ah, quelle horreur. Oh, c'est des torches et des boyaux qui chiquent. Oh, c'est une honte. Ce défi est une honte. Mais lâche-moi! Putain, même un coup de poing suffit pas. Retiens pas la nuit que je t'écrase au bout de l'avenue. Oh, c'est beau, regarde-moi ce coucher de soleil. Oh. Oh non, je sais qu'il va y avoir des hordes de zombies dans la ville. Ça va être. Non, il n'y a pas de stop. Le stop est chaud. Zombie free ou pas du tout free, je vais décider lequel je vais écraser pour la dernière fois. Merci pour ce clip. Merci pour ce clip. Merci pour le clip, Tomouf. Tu es devenu réalisateur le temps d'un soir. Réalisateur de cinéma. Et c'est mal. Ah! Je n'ai pas le droit de descendre du véhicule. Je vais inspecter tout le quartier, foin de pédoncule. Je ne sais plus, je deviens fou. Ah, c'est quoi ce défi horrible? Pourquoi ce sondage, Torota? C'est scandaleux. Ah! Non, pas de poteau, va y avoir accident. Il faut pas que je m'arrête. Je sais qu'il y a un virage, pas besoin de panneau, je le vois sur la route. Possible qu'il chante que j'ai... Oui, je t'ai écrasé la nuit. Oui, non, c'est possible. C'est ça, ange de lumière. Je t'ai écrasé la nuit. De toute façon, t'avais l'air à plat la nuit dernière.
Oh là là. Bah alors, je voudrais pas dire, c'est quand je suis à bord d'un véhicule que tout le monde fuit là. Elles sont où les hordes de zombies? Elles sont où? C'est honteux. C'est quoi ce barrage? C'est quoi ce barrage éhonté? Ah! Ouais! Blablacar avec zombies. Non, mais ça va pas, non? Vous avez de ces idées, vous avez Tom Ouf. Qu'est-ce qui t'arrive, Tom Ouf? Je ne te reconnais plus. Blablacar avec une zombie, non mais non. Mais c'est qu'on va loin là dans le pays là. Tiens, je vais passer la frontière. Adieu. Ouah, mais je connais pas du tout par ici moi. Alors je reste au volant pendant 5 minutes, mais il n'y a plus de zombies. C'est du délire. Bah la fameuse juge, je vais finir par la trouver là dans l'autre de la côté. Ouais, j'en ai eu un. Oh, c'est dégueulasse de voir le. Oh, il y a des travaux. Ah bah, il n'y a plus de témoins pour le chantier. Hé, toi, tu descends. Toi, je t'écrase. La. Oh merde, je vais tenir encore 2 minutes au volant. Oui, pressez-vous sur la route, allez. Ouais, but. Oh, c'est dégueulasse. Ah non, ils sont 3 sur le capot, là, c'est dangereux. Eh oh, le nouveau boyfriend, là. Je veux pas vous voir. J'ai pas besoin d'un bouchon de radiateur. La. Le pire, c'est que je fasse la route arrière de nuit. Hein. Je sais pas où je suis. Oh, on va changer de véhicule. On va changer de véhicule, mais je vous promets de revenir au point de départ, mais avec l'autre véhicule. J'avais rien mis dans le coffre. Ah merde, je me suis trompé de véhicule. Oh le con. Bon bah c'est pas grave. Oh, c'est une sportive américaine, vous avez vu. Attends, on va revenir en sens inverse parce que là, faut que je revienne à la base, là, pour attendre, déconner. Oh là, elle est plus puissante, elle. Tu vas vraiment faire peur. Oui, je sais, ton ouf, la voiture, elle était mal en point, il fallait que j'en change. Attends, ça m'inspire un modèle américain, là, c'est tout ce que je conduis. On dirait presque une Chevelle. Une Chevrolet Chevelle, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'entends des bling? Alors que j'ai gomme des zombies. Merde, les travaux. Ouah. Ah, j'ai eu un mauvais coup de volant. C'est le stress. Ah. Ouais, oh. Mais c'est une voiture de sport, ça. Ouh. Je peux les collectionner? Vous êtes sérieux, les gens? Ouais, je veux bien. Incroyable. Je collectionne toutes les voitures de sport. Je veux. Ah, je résiste pas à collectionner tout, regarde ça. Je suis prêt, c'est Need for Speed. On a changé de jeu. Chez Need for Speed, c'est merveilleux. Et demain, Grand Turismo. Oh, j'ai écrasé un hurleur. Merde, mais elle tient le capot, elle, vilaine. Non, toi, tu meurs. Ce barrage, il est pernicieux, ce barrage. Oh mon dieu, on a zombie, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Ouf. Voilà. Bon, j'aurais bousillé la voiture de sport, mais au moins on sait que c'est un modèle, hein, un deuxième exemplaire. Donc on peut être un peu plus négligent. Je dirais ça comme cela. Voilà, ça c'est fait. Ah! Oh, ce saut! Oh, c'était beau! Oh, c'était magnifique! Ouais, j'ai plein de voitures de sport, mais celle-là, elle est cabossée, c'est pas grave, je la réparerai. Attends, elle avait rien dans le coffre? Elle avait rien dans le coffre. Oui, les 5 minutes sont finies, oui. Je crois même, sans tricher, en avoir fait 7. J'ai fait honneur à ton sondage, Toro, c'est scandaleux. Mais on a bien ri. Et chez l'essentiel. Oh! Elle est pas vénère du tout, la madame. Ouf, vous du. Oh, you know, stuff. Alors, attendez. Donc là, j'ai la hache de l'avion. Mais tu as pris du plaisir à rouler dessus, coquino. Oui, c'est vrai. J'avoue, je le confesse. Je suis passé sur plus d'une dame zombie. J'ai aimé ça, j'avoue.
que j'ai croisé sur la route. Alors, arme contondante, oui. Alors, ça, c'est carrément une arme lourde. Ouais, je vais prendre le risque de garder l'arme lourde. Donc, je peux plus transporter grand chose, mais au moins, je fais le ménage, quoi. Est-ce que je peux reprendre un miam supplémentaire, s'il vous plaît? Voilà, merci. Peut-être Molotov. Voilà, je suis vraiment armé jusqu'aux dents. Mais Molotov, c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Alors, point de sur la situation. Et je me demande si je vais pas tarder à arrêter à faire mes muses et aller me coucher parce que. Il commence à se faire tard, on va vers les minuit, je sais pas, faut voir ce que me dit le jeu. Attends, c'est dire quoi ça? Parce que là, je remarque avec joie que je génère de plus en plus de zones protégées, visiblement. Les fameux cercles. Alors, Toro t'a dit, le chemin que tu as pris en bagnole te rapprochait de la future base que tu débloqueras dans l'histoire. Waouh. Ah oui, là, il y a peut-être une base, ouais, peut-être. Ouais, c'est un truc assez isolé, pas mal. Ah, hein, ça peut être sympa. C'est quoi ça? Un signal, oh la vache. Étranger en danger. Non, mais faut arrêter, c'est beaucoup trop loin. Ah oui, je me suis pas rendu compte, j'ai pris la nationale, la route principale du pays, là. D'accord, on peut faire le tour, en fait. D'accord. C'est bizarre, d'ailleurs, que la route s'arrête au milieu de nulle part. Mais c'est bizarre, ici. On dirait que c'est un secret militaire, là. Ça fait pas très logique. Oh, mais dire qu'on vient de là, au départ, c'est fou, hein, on dirait pas. Est-ce que je pourrais rétablir une base là-bas au camping? Je pourrais, non? Bah oui, site de base potentiel. Tu m'étonnes. Ah, peut-être que je retourne au camping de départ. Je crois que je vais faire ça. Je vais changer de personnage. Et je vais établir une base au camping de départ. Ce serait une bonne idée. Mais il y en a autant que ça, des zombies. Non, mais sinon, tu vas à la main, quoi. Voilà, comme ça. Voilà, on n'en parle plus. Merci, parce que là, tu perds des munitions, là, je... Hein. Alors, tu t'en sors, mec, ou pas? What's our sit rep? Ouais. Visiblement, je peux pas l'incarner. Attends. Qui c'est que je pourrais incarner? Faut qu'elle se repose, elle, c'est obligé. How's it going? Rien. Don't be a stranger. Jacob. No. Chercher des sites pour établir une base. She'll come around eventually. Ouais, pourquoi pas? Happy to help? Allez, on y va deux. Let's head down towards Marshall. I think I know a place that might suit us. Un Marshall? Or we can just drive around for a while and see what we see. Your call. Ouais, je veux bien qu'on aille à Marshall, mais c'est où sur la carte? Ah ouais, non mais là, tu veux qu'on aille très très loin, mon gars. Ça va, t'as un projet vacances, là. J'espère que t'as même tes chèques vacances, parce que dis donc. Ah non, mais le gars, il est fou. Moi, je veux bien prendre la route, mais... Bon, bah, prise de risque, mais ce mec est fou. Ce mec est fou. On va prendre la petite citadine discrète. Alors, on est d'accord, on n'a rien dans le coffre, hein, parce que si je devais l'abandonner... On va prendre la petite bombe de Nissan Micra, là, ou équivalent, ou Fiat Punto, ce que vous voulez. Oula. Alors, d'ailleurs, attendez, je vais prendre une disposition particulière pour être mieux pour le jeu. Voilà.
Je pense qu'il va falloir délicatement bien gérer. Oh là là, elle est nerveuse cette bagnole. En fait, pour tout vous avouer, je suis passé de mon clavier de jeu à mon clavier classique. Pour vraiment bien gérer aux touches fléchées la direction. Tu sais quoi, on va changer de bagnole, mec. C'est une vraie petite bombe, mais si on peut prendre une... Oh, stylé. Et puis voilà, il y aura... Oui, ça fera moins barrage en même temps. Alors attends, du coup, de ce que tu disais, Torota, là, je prenais la route de la future base. On va y aller directement, parce que je vais rester sur la nationale pendant un bon moment pour joindre le lieu que le gars, il veut me montrer. On a vu sur la carte qu'on va quand même carrément traverser tout l'état américain sur lequel on se trouve. C'est énorme. Ah, ça en fait des choses à visiter. Waouh. Eh, je pense très honnêtement que les concepteurs de la carte se sont fait plaisir et doit y avoir des surprises planquées ici et là. Mais bien, bien planquées. Déjà, faut aller à trous perdu dans la nature pour trouver un machin. Je pense qu'ils ont dû se faire plaisir. Rien que les travaux là, peut-être qu'il y a un truc dans la fosse, je sais pas. Ça me laisse sceptique, diront certains. Le jeu de mots est facile. Mais non, non, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des blagues des concepteurs du niveau. Si on peut parler de niveau, t'as moyen de gérer. Ouah, ça fait Silent Hill! Ce brouillard devant, l'ambiance Silent Hill-esque, si je puis m'exprimer ainsi. So what was that? A long story. Not much on the radio to fill the time. Good point. My mom died when I was 13. Lily was 9. I'm sorry. Yeah. Anyways, not long after that was when Lily was diagnosed. Our dad, he was, he's kind of a wreck. I had to pick up a lot of that slack. Jacob, I need you to be a man. Help take care of your sister. You know what I mean? It was a lot for a kid to live up to. I didn't handle it well. As soon as I turned 18, I told my dad that I was moving to Danforth and I was going to college. Go on. Man, he blew up. We had a huge fight, didn't talk for years after that. Finally got back in touch with him just a couple of months ago, actually. And this is my first visit home. Anyway, I don't think Lily's quite forgiven me yet. Il y a des zombies partout. J'étais sur la route toute la chaîne journée. J'ai pas vu le doute en toi chimicher et un zombie écrasé. J'étais sur la route. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah... C'est un train d'atterrissage d'avion de ligne. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Alors ça, pour être énigmatique, il y a un avion qui s'est crashé, un avion de ligne. C'est vachement troublant comme objet. Putain, la vache. Donc je pense qu'il fallait tourner le petit chemin, je sais pas s'il sentait la nausée de ce chemin, mais évidemment c'est pas là qu'on allait. Donc d'après lui, il y aurait une base là-bas, à Marshall. Nous sommes arrivés à Marshall. À Marshall, Cavendish. Oh là là, il y a un dénivelé. J'aurais peut-être pas dû aller là, moi. Oh là là, quelle horreur! Silent Hill, mais puissance 1000. C'est d'un très mauvais goût, c'est une usine désaffectée, il y a des zombies partout. Mais qu'est-ce que... J'aurais dû relire ma carte. Attendez, là ça cuire, là. Là ça sent mauvais, on va vite ressortir. Et on va essayer de se faire oublier des zombies. Oubliez-moi! Allez, virage au frein à main. Ouais, j'ai comme ça qu'on fait. Bon, attends, la carte, elle dit quoi, là? Ah, oui, bah, faut suivre la route.
faut suivre la route. S'il y a un pont, c'est pas pour rien. Oh la vache. Ouah, c'est quoi ce barrage? C'est un bus. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé à Marshall? Puis là, c'est la grosse ville du canton, là, du... Oh là là. Eh, s'il y a bien un endroit stratégique, on le voit tout de suite, c'est le pont. Parce que si quelqu'un fait péter le pont, je vous dis pas comment ça isole le... Oh mon dieu. Oh, y a tellement à faire. Elle est où sa base à la noix? Ah tiens, c'est encore un truc de flingue. Il veut établir une base là, lui? Il est sérieux? T'es sûr de ton coup, mec? Well, what do you think? Check this place out. It's got a big yard, a privacy wall that we could fortify pretty easily, and check out that tree fort. We could turn that into a watchtower easy. You seem awfully excited about this place. Yeah, when I was a kid, my best friend Sally, she lived in this house. And I was so jealous. I always wanted to live here. Well then, let's take a look inside. D'accord. Jesus! Can't see. Help me. Oh, il a dû se faire infecter, lui. Ah oui, merde, il est malade. What the hell was that? I don't know. That didn't look like any disease I've ever seen. You? No way. Maybe we gotta go, huh? C'est efficace. Il a une manière de dire bonjour qui fait froid dans le dos. Ah ouais, d'accord. Résidence Savigny. Bon, bah écoute, on va rentrer, nettoyer, barricader et appeler... Eh non, eh oh, reste pas dans la porte, toi t'es fou. Il est fou ce garçon, il est fou. Alors, il va falloir vérifier, est-ce que... C'est vrai que c'est grand, j'avoue que là... Je reconnais que... Ouais. Je reconnais que l'endroit est sacrément grand. Là, c'est plus qu'une famille nombreuse, la baraque. Waouh. Ah mon dieu, pardon. Au moment où je baille honteusement en plein direct. Oh Bastos, c'est adorable, merci. J'espère que ton direct s'est bien passé. Et que t'as pu profiter de ta soirée. Sachant que t'as la chance de pouvoir être en congé encore demain. C'est bien, tu vas pouvoir souffler un peu. Ah bah merci tout plein Bastos. Non, je vais pas tarder à arrêter là, parce que là je commençais, tu vois, à bailler en direct. J'en aurais une mission complètement folle d'aller à l'autre bout de l'état américain établir la base, comme tu peux le voir à l'écran. Alors attends, tu m'as dit oui, à part la fin où j'ai rage-quit sur un boss naze. Ah merde! Ah, la déception d'avoir une expérience de jeu qui a un petit peu tourné au vinaigre à cause d'un boss qui était naze. Ah oui, c'est malheureux. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue, 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 bienvenue. Attends, pourquoi je peux pas... Bah, je comprends pas. Merde, j'ai une horde de zombies signalés.
Évidemment, ils viennent vers moi, ces abrutis. Évidemment. Non, mais pétez pas la vitre. Oui, ah oui, alors là. Alors, passez la porte préalablement en l'ouvrant. Parce que c'est au travers, façon fantôme caster. Pour arrêter la déconnade. Allez. Je crois que vous allez prendre la porte, monsieur. Oh bah d'accord, je tire entre les deux. Oh, comment qu'il est retombé en arrière la madame. L'autre il en saute de joueur. Bon allez, j'ai arrêté de gaspiller mes balles et puis je vais l'assassiner à la main. Hein? Violence. Voilà. Merci. Oui, ça arrive. Bah oui, Bastos. Ouais, mais bon. Ouais, c'est je devine ta frustration. Du coup, ça me fait penser en parallèle, moi, quand je rageais les boss imposés ou à rallonge ou spéciaux, vous savez, dans... Comment ça s'appelle? Dans... Final Fantasy. Final Fantasy, qu'on pourrait retrouver d'ailleurs dimanche. Hein. Théoriquement, dimanche matin, je continue les fins alternatives. The Final Fantasy. Bon... Alors, regroupement à l'entrepôt. Quel entrepôt? Ah, ça fait partie de la mission? Oh merde, parce que j'aurais aimé dire on déclare l'endroit comme une base. Et il faut qu'on ressorte. Oh là 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 là, mais va mourir toi! Laisse-nous sortir de cette belle propriété, Nalo. Nalo de prospecteur. Ouf, elle roule encore? Pas sûr. Ah, si, apparemment elle roule encore. Bon. Attends, regroupement à l'entrepôt, c'est au bout de la rue. C'est au bout de la rue. C'est au bout de la rue. J'en ai ras le cul. Ça parle mal. Ah ouais! Il y a des trucs intéressants. Mais attends, comment on y entre? Il a les clés? Well, that's a few options at least. There might be more out there if you look around. I'll think about it. Sure. Big decision, I get it. Just remember, tree fort. Plus un d'influence pour la journée. Bah ouais, merci, mais... Parce que l'entrepôt, il pense... Attends, on va déclarer combien de bases, là? Vous devenez fou là. 12 personnes, 50 matériaux, entrepôt de camions. Ah ouais, non mais là, oui, là, je veux bien déclarer, là, effectivement, là, c'est une zone énorme. Là, on peut tout faire, là, même sur 3 étages. Sérieux? Oh là, sérieux, les gens? Relocaliser la base. Oui. Probably not. Ah, il m'en faut 12, merde. Ah, merde, il faut que je sauve plein de villageois. Enfin, de villageois, on se comprend. Bah, le prochain épisode promet d'être palpitant, parce que si dans cette ville, il faut que je trouve des survivants, il y en a forcément. Je vais établir une base ici, mais attends, mais c'est énorme. Dans les locaux d'entreprise... Oh, oui! Oh là là, j'ai du rêve plein les yeux, là. Oh! Il y a des vestiaires avec des casiers. Ouais, il y a une douche, toilette, lavabo. Oh, le confort. Elle est où la cuisine tout équipée? Elle est où la cuisine? Et pas Schmitt, et pas Cuisinella, et pas ce que vous voulez, mais non, mais il n'y a pas de cuisine là, ouais. Bon, il faudra retaper un peu la déco et ranger le boxon. Hein. C'est un joli petit bordel, mais bon. Mais il y a de la place, il y a des choses à faire. Attends, cette lumière, c'est quoi? Ah merde, il y a un... D'accord, ouais, le toit. Oh, je pense pas que les zombies grimpent au toit, si. Alors, à vérifier, est-ce qu'il n'y ait pas de... d'échelle au mur. Vous voyez que je fasse un tour dans l'entrepôt. Ouais, il y a un truc ici. Ah, alors là, pour sécuriser, c'est emmerdant. Excusez-moi du peu. À moins qu'on ait la télécommande pour fermer le sas à camion. Mais, ouais...
Ouais, parce que là, évidemment, les zombies s'invitent. Va falloir procéder à des aménagements. Non, mais va mourir, toi. Va mourir. Ah. Oh là là, ce massacre. Ouais, il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'énergie, la pauvre. Souffle, souffle. C'est pas comme si t'avais un énorme sac à dos sur toi. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je retourne rentrer à la base en bagnole. Attention, saute. Je vais peut-être même changer de bagnole pour l'occasion. Non, je veux pas traquer de zombies. Arrêtez. Ce n'est pas raisonnable. Oh merde, il est dangereux lui. Oulala, là là, vite, démarre. Mais du coup, la carte dit quoi? Attends, je vais refranchir le pont. Oh merde, boum. On est tranquille nulle part. Mais c'est bizarre. C'est très très bizarre. Eh, je pourrais peut-être rejoindre le... Oh la merde, j'entends des zombies. Ah, bonsoir et bienvenue, Palampo Pelo. Oh là, j'aurais même pas... C'est le pseudo. Généreux mécène, donateur, la main sur le cœur, qui est passé tout à l'heure offrir une flopée d'abonnements. Encore merci à lui. Non, bah voilà, du coup, tu vois, Polompolero Pelo, tu n'auras pas de pub pour le mois d'août. Tu vas pouvoir faire mumuse avec les émoticônes de la collection. C'est la joie. Bah, dans l'ensemble, on va bien, merci. J'espère que ça va bien aussi. De ton côté, Polom. Sachant que, bah voilà, l'été, hein, on est pas mal à ce moment de la chaleur. Heureusement, il n'y a rien de dramatique. Alors, je vais continuer pour en revenir par... Oh, la vache, la cuvette, le relief. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est barricadé, ici? C'est quoi, le délire? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais faire le tour en bagnole, moi. Alors là, excusez-moi, je suis complètement rattrapé par le jeu parce que je m'attendais pas à ça. Pourquoi il y a un barrage où on ne peut pas... Oh là là! Moi qui pensais faire le tour sur la carte. Ah bah, quand je vous disais que c'était louche cette route, que je me disais c'est bizarre, c'était masqué comme s'il y avait un secret militaire. Bah ça semble se confirmer. Bon, il y a une petite route le long de la rivière. Je vais prendre cette route. Eh, c'est moi ou ils ont franchi les barreaux, là? C'est quoi, ce délire? Retournez aux barreaux, bande de bien. Allez mourir. Eh ben... Oh! C'est le terrible zombie à quatre pattes qui me fait flipper. Attends, quelle est la bonne route? Ah oui, d'accord. Il y a un mot bizarre, mais on verra plus tard. Non, je vais retourner à la base principale et puis je vais arrêter pour ce soir. C'était génial. Ah, logique. Ah là, ça fait ambiance Dying Light. Si vous vous souvenez du début de la Hill Light, hein, faut gérer une centrale comme ça et électrocuter les zombies à outrance. Mais là, ça fait à nouveau Silent Hill. Voodoo, l'ambiance... Oh! Qu'est-ce que c'est que ces directions?
Fairfield et nous on est à la colline des Spencer. Non pas colline, j'ai lu Hill alors que c'est Mill, pardon. Spencer Mill. Ok, sur la carte ça correspond donc à ce carrefour. Et donc je devine que là-bas aussi il y a un barrage avec une grille et le truc est militarisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, 1000 dollars? C'est un cauchemar. Pourquoi ils sont bunkerisés? Waouh! Alors là, c'est super glauque. On est dans une enclave. Pareil, hein, la même logique que dans Dying Light. Nous sommes à l'intérieur d'une enclave, visiblement. Oui, c'est la clinique vétérinaire, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, ben on est revenu à la maison, là. C'est notre patelin, nous. Mais je reconnais. Oh, je vous avais manqué! Avouez-le, dans le quartier. Et là, le mec, il est fou, il joue des phares et du klaxon pour alerter tous les zombies. Ouf. Je suis de retour à la maison. Bonjour les zombies, comment ça va? Oh, les coquinous, ils veulent tous me faire la bise en même temps. Ils m'auraient mangé tout cru, c'est horrible. Allez, zou. Je sais même plus s'il y avait quelque chose dans le coffre de la tuture, mais je m'en fous. Alors, qui c'est qui voulait parler, qui était dépressif, là, que je lui botte les fesses? Is it true? Is he like... I'm afraid so. Thought like hell. There wasn't no recovery from his wounds. Oh. Was it, I mean... Did he suffer? He was unconscious for most of it. Woke up a couple of times. He mentioned you at the end. Thank you. Waouh! Comment qu'ils se sont séparés tous les deux dans leur conversation? Ça fait grave flipper. Ces gens sont étranges. Je sais plus quoi dire là. Quoi? Ah oui, oui, il faut barricader tout ça, dis donc. Je voulais accéder au frigo, là, enfin à l'armoire, mais... Mais pourquoi les barricades, elles ont sauté? Mais j'en ai marre de barricader tous les jours, moi. Je passe mon temps à ça. Que signifie? Bah, finalement, voilà, ça m'a servi à pas grand-chose. Bon, c'est bien, les munitions de fusil m'ont aidé à neutraliser une horde complète. Ouais. Eh ben, c'est intéressant parce que on devine ce qui va se passer à l'épisode prochain. Il va falloir retourner à Marshall dans la grande ville. Puis faire plein de missions annexes pour trouver des survivants et établir une base au niveau du bazar à garage camion, là. Le problème, c'est que l'entrée des camions, comme on a vu tout à l'heure, pour barricader ça, ça va être sport. Oh, on va bien trouver un truc. Bon, bah c'est cool. Voilà, sauvegarde, je suis content, c'est ce que je voulais voir en bas à droite de l'écran. Bon, bah je vais m'arrêter là. C'était cool. Je suis amusé comme un petit fou, c'était génial. Donc encore un grand merci à vous toutes et toutes de votre présence. Encore un grand merci à l'énorme générosité de Pierre Brochamp. Référence directe au dîner de con. Mais merci à notre cher Pierre Brochamp qui nous aura offert presque une vingtaine d'abonnements. Oh, c'est fou. Merci tout plein, c'est adorable. Merci de votre présence. Merci pour les clips. Je sais que vous avez clippé, il y a un truc qui vous a plu ce soir. J'en suis ravi. Ça va filer dans la compile comme d'hab. Oh, j'ai avoir du boulot d'ailleurs au niveau de la compile. J'ai à peine démarré. Dites-vous qu'hier soir, dans mon revisionnage, j'ai seulement commencé à remater le week-end... Bah, le week-end précédent, là, le week-end du... On était combien? On était le...
le je sais plus. Le 27-28, voilà. J'étais au début de, du samedi 27 dans Borderlands. Et il va falloir que je revisionne aujourd'hui aussi. Je reviens évidemment samedi matin, mais j'aurai le plaisir d'être en compagnie du cousin. Ça va être une journée spéciale entre cousins jusqu'à 18h. Voilà, 9h-18h, j'étais le cousin Rio. Alors, on va reprendre, pour vous dire le programme d'ailleurs, on va reprendre Saints Row. On accroche à mort Saints Row. Par contre, mon cousin m'a fait comprendre qu'il se lassait un peu de Serious Sam. Donc, on va lâcher Serious Sam un bout de temps. Et on ne sait pas trop ce qu'on va faire à la place. Il aurait aimé, d'ailleurs, il faut que je prépare, il aurait aimé qu'on fasse un Need for Speed... le Hot Pursuit 3, faut que je regarde, il m'a laissé les liens quelque part, je sais pas où, j'ai pas encore lu. Et merci pour Homme, bonne nuit à toi aussi, merci d'avoir été là. À défaut, il aurait été tenté par faire un des jeux à une main, là, que ce soit le braquage ou la cuisine. Mais bon, on improvisera quasiment samedi, on verra. Voilà. Ah, merci pour l'acte de fidélité, Porompo. Alors, c'est difficile comme pseudo en couplet. Porompo, pero, pero. Ça va chercher loin comme pseudo, mais c'est original. Allez, je vais voir chez qui je peux vous déposer dans la belle tradition des relais de chaîne à la Twitch. Merci à vous d'avoir été là. Tiens, d'ailleurs, je vais rebasculer en, vous savez quoi, en just chatting. Par principe, voilà, par dire qu'on boucle le... Que la boucle, elle est bouclée. Qui c'est qui que quoi qui est... Pourquoi j'ai lancé mon navigateur là, moi? Mais c'est pas le bon. Il me faut le navigateur Twitch. Évidemment, j'ai un navigateur par, on va dire, par... j'allais dire par ambiance, c'est presque ça. Par catégorie. L'actualité spéciale. Merci tout plein chaîne. Pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Attendez, je regarde un peu qui je suis et qui ça vous intéresserait de suivre. Oh, en rêverie, j'ai Lord Gilmos qui gère français québécois. Il fait justement du Tezo, il fait du The Elder Scrolls Online. Sinon, il y a Shashuki aussi qui fait du Dark Souls 3. J'ai Someone, le poisson, qui fait un jeu où il incarne un mouton. Fabian qui fait The Last Campfire. Et JJBTV qui est tout seul, je sais pas pourquoi. Pourquoi je dis TV alors que c'est JV? C'est JJB jeu vidéo. Flintlock, The Siege of Down. Alors attends, est-ce que certains d'entre vous ont pas de préférence visiblement? Alors à qui vais-je vous mettre en lumière? Il fait du The Elder Scrolls, c'est original. Lord Gilmos. Oh, je pense qu'il va vous offrir du rêve. Lord Gilmos. Allez-y voir que je... Lord Gilmos. En espérant que j'ai bien orthographié. Eh ben non, parce qu'il me dit... non, un L, pas un K, n'importe quoi. Mon logiciel qui me dit que le pseudo n'existe pas. Voilà, on va aller voir Lord Gilmos. Donc merci à vous d'avoir été là, prenez soin de vous, bonne nuit à vous. Je vous dis samedi matin, vous l'aurez compris. Donc demain, pas de Twitch pour moi. N'oubliez pas d'aller voir Christella demain. Normalement, Christella prend son antenne dans l'après-midi, grosso modo de 16h à 20h. Enfin, elle peut peut-être décaler l'horaire s'il fait trop chaud. Mais on va avoir plaisir normalement d'avoir au moins un direct de Christella cette semaine. Alors qu'habituellement, là, on fait 3, mais bon, la chaleur fait des dégâts sur l'humain et les machines. C'est terrible. Lord Gilmos, allez-y voir que je zappe sur sa chaîne et que je prenne un peu d'avance. Parce que du coup, s'il me fait un coucou, que je lui réponde, au moins que je lui mette pas un vent, le malheureux. C'est bizarre que je... Attends, dans l'interface Twitch, ils sont terribles.
Non, je veux plus voir la récompense de Apple Télévision. Je m'en moque. Parce que du coup, je vois même plus les recoucou une scène. Oui, j'allais dire, je vais aller au dodo là. Je t'avouerai que je me suis surpris que tu sois pas au dodo, une scène. Tel que je te connais. Encore merci à toi pour les jeux proposés. On a bien rigolé, une scène. Je me réjouis à l'idée de voir le ralenti. Et puis, bon Mickey Mouse à toi samedi. Profite bien, t'as bien raison. Voilà, le relais de chaîne qui s'est fait. Donc moi, je vais pouvoir arrêter mon enregistrement. C'est cool.